Soirée autour des violences policières et impunité judiciaire. Alors, cette soirée est organisée par une dizaine de collectifs et associations hein, qu'on remercie ici. Hein. Bon, on peut les citer: Comité Maouda, Justice et Vérité, PAC, Groupement Toi Soutien aux Sans-Papiers, JOC, Village du Monde, Espace Sémaphore, MOX Entraîneau, Théâtre des Rues, Gauche Anticapitaliste Mons, Local Autogéré du Borinage, Bruxelles Panthère. Voilà. Alors, cette soirée, elle s'inscrit dans le prolongement de nombreuses autres activités qui ont été menées par les uns et les autres. Hein. Hier, il était question des opérations Médusa de chasse aux migrants dans un autre live. Aujourd'hui, nous allons interroger le fonctionnement de deux appareils d'État, la police et la justice, dans le cadre de ce que de nombreux sociologues activistes hein, nomment racisme structurel. Alors, si le meurtre de Maouda peut en effet être qualifié d'affaire d'État, si nous continuons à réclamer une commission d'enquête parlementaire, c'est aussi en raison du rôle actif joué par la police, violence policière soutenue par des dispositifs organisés de chasse à l'homme, et par la conjonction police-parquet, dans ce qui apparaît comme des tentatives d'étouffement des faits, hein, arrangement entre policiers, version hallucinante du parquet, reconstitution indigne notamment. Ce qui est arrivé à Maouda ne fait pas de ce point de vue exception. Les avocats et comités autour de Lamine, Mehdi, Amine, les journalistes, familles, activistes ont à chaque fois affaire à des nœuds de mensonges, de non-dits, d'instructions bâclées, de négligence coupable, voire d'inversion des responsabilités. Alors les contre-récits et les contre-enquêtes doivent alors être menés et supposent un important travail collectif. Alors on posera les questions suivantes hein, aujourd'hui. Voilà, on va travailler là-dessus. Quelles sont les mécaniques de production des violences policières? Par quel mécanisme l'impunité judiciaire se construit-elle? Quels sont les moyens d'action politique et juridique susceptibles d'accompagner, d'inverser ces tendances lourdes, plutôt d'inverser ces tendances lourdes, d'accompagner les combats et d'inverser ces tendances lourdes, qui sont des tendances lourdes par la répétition à laquelle on assiste. Alors pour en parler aujourd'hui, on a invité Amal Bentounsi, hein, sœur d'Amine Bentounsi, tuée par la police à Noisy-le-Sec et qui a fondé le collectif Urgence Notre Police Assassine. Ayoub Bouda du collectif Justice pour Mehdi, Ayoub, le frère de Mehdi, hein, tué par la police le 20 août 2019, Alexis Le Soif, qui est avocat de la famille Lamine Bangoura et Adib, et Senma Ben Khalifa, qui est l'avocate de la famille de Maouda, et Michel Bouffiou, hein, qui constitue une anomalie hein, dans le paysage journalistique belge, malheureusement, puisqu'il a en effet enquêté sérieusement sur le meurtre de Maouda de la nuit du 17 au 18 mai. Alors, Nordine Saïdi de collectif Bruxelles Panthère hein, qui va animer, faire vivre toute cette discussion, et je lui cède la parole. Alors avant de lui céder la parole, parce que là c'était une façon de se présenter, n'oubliez pas donc de partager sur vos propres pages, hein, quand vous suivez, sur vos propres pages Facebook, discussion d'aujourd'hui hein, en utilisant l'option de partage et l'option de... Qu'on voit, vous regardez bien en direct cette soirée. Merci David. Merci David. Effectivement, pour répondre à toutes tes questions, nous avons invité aujourd'hui les intervenants. Donc, pour ceux qui sont présents, Ayoub qui est étudiant à l'ULB, qui est, comme tu l'as dit, le fondateur du collectif Justice Mehdi, qu'il a créé suite à la mort de son frère Mehdi Bouda de 17 ans le 20 août 2019. Mehdi Bouda est mortellement fauché par un véhicule de police dans la rue Ravenstein au Mont des Arts dans le centre de Bruxelles en août 2019. Le juge d'instruction n'a estimé devoir inculper personne dans le cadre du dossier et a conclu à un non-lieu. Un non-lieu est inconcevable pour nous, a déjà dit à plusieurs fois Mehdi. Nous avons demandé un accès au dossier final avec les dernières pièces et de là, avec nos avocats, nous allons voir s'il est envisageable de faire des devoirs d'enquête complémentaires.
se battra pour se faire entendre d'une manière ou d'une autre, ajoute sa maman, qu'on a pu entendre aussi plusieurs fois. Donc, je voudrais commencer tout simplement à demander à Ayoub comment il a été informé de la mort tragique de son frère. Bonjour, Nordine, pour répondre à ta question. Enfin, moi, quand j'ai été informé, ben, je sortais d'un examen, en fait. C'était le 20 août, donc moi, j'étais en seconde session d'examen. Et je sortais d'un examen et j'ai ma mère qui m'a appelé en panique. Elle ne savait pas trop m'expliquer ce qui se passait, elle ne voulait pas me le dire au téléphone, j'ai pas trop compris. Et puis finalement, ben, je l'ai appris par ma tante, en fait, au téléphone, que ben, juste, j'avais juste eu l'information qu'il était arrivé quelque chose à mon frère, mais je ne savais pas quoi. Et puis j'ai dû rouler à toute vitesse, aller rejoindre ma mère. Et là, il n'y avait personne. Elle était toute seule. Enfin, elle était seule. Il y avait sa sœur qui l'avait rejoint, quoi, et ma petite sœur Anissa de 11 ans. Et la police était venue lui annoncer en fait que mon petit frère, enfin même pas lui annoncer, parce qu'ils ne l'ont pas dit formellement. Ils lui ont juste montré une photo de mon frère qui était mort en fait. Et c'est comme ça, c'est de cette manière-là qu'on l'a appris. Ma mère, on est venu se rendre chez elle, donc en toqué, 6 policiers en civil, pour lui dire que son fils était impliqué, je reprends mot pour mot, hein, il était impliqué dans un accident de voiture et qu'il y avait malheureusement des victimes. Et la seule chose qu'ils ont trouvé à ajouter par rapport à ça, c'était pas de dire clairement qu'il était mort, mais de montrer une photo de mon frère décédé. Et pendant ce temps-là, pendant que ses deux collègues prenaient en charge ma mère pour lui annoncer la nouvelle, il y a 4 autres collègues qu'on trouvait super intelligents, enfin, et surtout traumatisants pour ma sœur, ma petite sœur qui avait 11 ans à ce moment-là, ben de lui demander une photo en fait de mon petit frère Mehdi. Et quand elle leur a montré la photo, ils l'ont dit, ah ben oui, c'est lui, devant elle. Et maintenant, elle en pleure encore devant chez sa psychologue et tout. S'ensuit après ça, ben, le fait qu'on nous dise de nous rendre vite à l'hôpital, vite à la morgue, parce que ça ferme à 13h et qu'on nous a avertis à 11h, 11h, donc plus ou moins 12 heures après l'accident. On va à la morgue et là, à la morgue, ben, il y a une personne qui fait partie du service d'aide aux victimes, une psychologue, qui accepte l'entrée à mes parents, mais qui refuse l'entrée à moi et ma sœur. On a dû insister pour rentrer. Et quand on a accepté, ben, on était face à la réalité. Voilà, j'ai vu mon frère mort et on nous a laissé comme ça. Il n'y a pas eu d'aide, il n'y a rien eu, pas d'assistance. La psychologue nous a donné 3 verres d'eau et puis elle est partie. Et on nous a laissé face à nous-mêmes. Autant moi que ma mère, que mon père, que mes proches, on nous a laissé. Et c'est déjà là en fait que commence, pour revenir au sujet, l'impunité en fait vis-à-vis de la police. C'est que dès le début, en fait, en toute impunité, on vient, on vous dit qu'il y a eu un accident, on ne prend même pas la peine, on fait de la rétention d'informations, clairement. Ça veut dire qu'on vous divulgue quelques informations, mais pas toutes. Et enfin, voilà, ils ne sentent même pas redevables de nous expliquer quoi que ce soit, quoi. On vous vient, on vous présente, on vous demande de reconnaître la dépouille de votre frère, et puis on part, quoi. Et c'est déjà là que commence l'impunité. Puis après, nous, on a dû faire tout ce qu'on va pour savoir ce qui s'est passé. Parce qu'il faut savoir que nous, la police n'a jamais émis aucune explication directement par rapport à nous. On nous a juste annoncé de la manière dont je vous ai dit le décès de mon petit frère. Mais jamais on nous a donné d'explication. On a tout appris par la presse, en fait. Et on a appris ça via la version policière. C'est nous-mêmes, après moi, avec mes proches, qu'on a dû aller demander à parler aux amis de Mehdi, qui étaient avec lui ce soir-là. Parler ou même aux gens qui étaient là-bas en fait, qui étaient présents et qui avaient vu l'accident pour demander en fait clairement ce qui s'était passé. Ou sinon, on n'avait accès à aucune information. Et en fait, c'est quand même fou de se dire qu'ici en Belgique, un pays qui se veut démocratique et qui se veut dans le respect en fait des droits de l'humain, de se dire qu'il y a une famille à qui on a arraché un mineur, un enfant, hein, qui a été tué, de émettre aucune information. Et moi, je pense que l'impunité avant même, enfin, elle commence déjà là en fait. C'est que même les premières personnes concernées, les victimes, sans même émettre de condamnation, quoi que ce soit, même juste expliquer, dire ce qui s'est passé, donner juste de l'information, même ça, on ne veut pas. Et après, s'ensuit tout le combat médiatique qu'on a dû faire, et surtout juridique, qu'on fait actuellement, mais au niveau médiatique, pour redorer l'image de mon frère et pour essayer aussi de savoir ce qu'il y a. Parce que maintenant, dans le paysage médiatique, la police, ils ont des porte-paroles, ils ont des communiqués de presse qui dialoguent pour eux, et les médias, ils ne font rien, ils font pas tout le travail d'enquête ou quoi que ce soit, ils viennent, ils prennent l'information qu'on leur donne et la retransmettent. Et quand on a des porte-paroles, qu'on a des gens qui travaillent pour nous, c'est très facile de procéder comme ça. Mais quand nous, on est une famille, et qu'on déjà, nous, on est retenu sur ce qu'on doit communiquer, c'est très compliqué en plus d'attirer l'attention médiatique et de rectifier toutes les choses horribles qui ont été faites sur mon frère. Mon frère, on s'est retrouvé avec un agent de la police fédérale, un porte-parole, qui a
pris le casier judiciaire de mon frère qui était vierge en disant, ah oui, il avait un casier judiciaire qui était vierge, c'était pas quelqu'un de dangereux, on ne le considérait pas comme quelqu'un de dangereux. On en vient en fait à déshumaniser la victime. Et même ça, en fait, ça a l'air, tout le monde en parle, le fait de déshumaniser une victime. On en parle tellement que ça devient normal, mais ça ne doit pas être normal. Même ça devrait être puni. Même ça, c'est une injustice en soi. C'est une injustice, c'est grave de traiter des morts comme ça et de traiter leurs familles qui font face à ça. Et donc, c'est l'injustice clairement auquel on a dû faire face, moi et ma famille. Au-delà de ça, après, on a dû se battre pour avoir des accès au dossier. Par rapport à ça, nous, on a organisé une marche blanche en l'honneur de mon petit frère. Et qui s'ensuit de ça, ben, 2 mois après, une semaine après, on a un accès au dossier répressif. Donc, on peut avoir un peu plus d'informations. Mais même là, on doit se battre. Pourquoi? Ben, parce qu'il faut traduire un dossier pénal n'est pas facile. En tout cas, moi, je Yo, ne sais pas. Oui. je me permets, ce que tu dis est tellement important que je vais revenir sur ça, juste parce que les choses que tu dis sont hyper importantes, donc on va prendre le temps. Est-ce que tu peux expliquer la version pas comment tu as reçu l'information, ça on comprend que c'est très dur, c'est très brutal, ça moi j'ai saisi, mais l'information qu'on a donnée à ta maman, celle qui l'a reçue en première. Est-ce que l'information, parce que tu as parlé de contre-enquête déjà, donc quelle est l'information qui a été donnée? L'information qui a été donnée à ma mère, claire, nette et précise, c'est les mots que je vous ai dit. Et c'est vraiment pas plus que ça. On est venu, on lui a demandé, on lui a dit, écoutez, madame, il y a votre fils Mehdi qui est impliqué dans un accident de voiture et il y a des victimes. Point. Et après, ils lui ont dit, oui, mais regardez-le, il est beau, il est beau. Elle ne comprenait pas. Et la dame a pris une photo de mon frère, de la dépouille de mon frère, et l'a montrée à ma mère. C'est les seules informations auxquelles on a eu droit. Après, on a dû foncer à l'hôpital parce qu'on nous pressait. On nous l'a annoncé à la morgue parce qu'on nous pressait, parce que la morgue fermait à 13 h et qu'on n'aurait peut-être pas eu droit de le voir. Et puis, on a dû forcer l'entrée pour que moi et ma soeur on puisse rentrer. Et puis, à partir de ce moment-là, la psychologue, elle est venue, elle nous a donné littéralement 3 verres d'eau et une brochure. Et on a été laissés à nous-mêmes. Il n'y a aucune autre justification. Le reste, on l'a appris via la presse. On a été laissés via la presse. On ne savait pas que c'était au début une... En tout cas, moi, je ne savais pas que c'était une police, enfin, même ma mère, que c'était une voiture de police impliquée ou quoi que ce soit. Et puis après, il s'ensuit toute la version policière. Et quand on demande des justifications par rapport à cette version en lui disant, voilà, qu'est-ce qui vous permet de dire ou de dire tout ça, en fait? Qu'est-ce qui vous permet de dire que voilà, il prenait la fuite ou quoi que ce soit? Est-ce que vous avez des preuves du contrôle? Est-ce que vous avez des preuves de telle ou telle chose? Quand on demande ça ou qu'on regarde dans le dossier, ben c'est incomplet en fait. Et c'est même au-delà de ça, du dossier juridique, c'est même par rapport à nous. Le but de la justice aussi, c'est de rétablir la vérité. Et en aucun cas, la vérité, elle est rétablie pour nous. Ça veut dire que déjà, on rentre dans un processus où déjà, allez, on vit déjà un deuil qui est très dur, parce que c'est du jour au lendemain. Moi, mon frère, avant qu'il décède, je lui ai parlé 1 heure, 2 heures, pardon, au téléphone, et ma mère lui a parlé 20 minutes avant au téléphone. Donc c'est quelque chose de très trash qu'on vit du jour au lendemain. Et au-delà de ça, on doit encore se battre pour connaître la vérité, rétablir la vérité et puis espérer avoir justice. C'est énorme. Et donc, c'est pour ça que nous, comme je disais, pour revenir à ce que je disais, on a organisé une marche blanche à la mémoire de mon petit frère. Et puis, au-delà de ça, on essaie de mener un maximum d'actions. Moi et mon collectif, en tout cas, on reste très, 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 très fixé sur le dossier. On essaie de maintenir le maximum au courant. Et pour revenir à ce que tu disais là tout à l'heure, Nordine, c'est même pas le juge d'instruction, c'est le procureur du roi qui est censé être du côté des victimes, qui a jugé qu'il n'y avait pas, il est censé être de notre côté, hein. Il a jugé qu'il n'y avait pas d'éléments pénal pour donner suite à mettre les policiers en responsabilité, la responsabilité des policiers, pardon, devant un tribunal pénal. Donc pour lui, c'est son interprétation des choses, alors qu'on parle quand même d'un policier qui roule à 98 km/h, qui roule sans sirène, qui roule à contresens. Et qui percute un mineur à 98 km/h. Et il faut savoir aussi que ce policier, les premiers gestes que les policiers ont quand ils voient mon frère au sol, c'est d'aller fouiller ses poches et fouiller son sac. Et de le regarder mourir à terre en attendant que l'ambulance arrive. Donc, je vois pas à quel moment on ne peut pas discuter la responsabilité des policiers. C'est quand même fou qu'un procureur
viennent et cette interprétation-là. Imaginez-vous que dans l'instrument démocratique qui existe, qui est la justice, si déjà le procureur qui est censé être de mon côté lit cette interprétation, alors qu'est-ce qui va suivre de tout le reste en fait, de tout le reste du processus? C'est quand même fou de se dire ça. Et on a l'impression en fait qu'on est dans, enfin on n'a pas l'impression, c'est clair, qu'on est dans une relation qui est totalement inégale, qui a deux poids, deux mesures par rapport aux violences vis-à-vis de la police et des violences policières vis-à-vis des citoyens. C'est clairement ça. Et encore plus, et ça je le dis clairement, quand on est typé, quand on est racisé, on le ressent encore beaucoup plus. Moi j'ai déjà, malheureusement, j'ai déjà vécu des violences, et la plus grande violence, ça reste quand même celle qu'on m'a arraché mon frère. Et toute la diffamation, parce que moi j'appelle ça de la diffamation, commence à porter des accusations sur mon frère sans aucune preuve. Pour moi, c'est de la diffamation. Tout ce qui suit derrière, ça reste une violence pour moi et pour toute ma famille. Et pour moi, le fait que des personnes qui travaillent pour l'État, des fonctionnaires de l'État, puissent pratiquer ou puissent parler de ça et puissent, en fait, même puissent tuer et puis puissent parler de ça comme ils veulent et dans l'espace public et via les médias, pour moi, déjà, l'impunité, en fait, elle commence là. Elle commence déjà là, vis-à-vis de la famille. Voilà. Merci Ayoub. Je t'en prie. Merci beaucoup. Par contre, tu as parlé de l'organisation très rapidement. On reviendra sur ce point qui est également très important. J'en profite, Amel n'a toujours pas su nous rejoindre. J'en profite pour demander à Alexis de Soif, qui est avocat militant pour les droits humains, qui est aussi vice-président de la Fédération internationale pour les droits humains. Il est également l'avocat de la famille de Hadil, ce jeune Anderlechtois de 19 ans qui est tué suite à la suite d'un accident de la route avec un véhicule de police. Il est aussi avocat de la famille de Lamine Bangoura, qui lui reçoit une visite domiciliaire le 7 mai 2018 destinée à l'expulser de son appartement en raison d'un retard de paiement. La brutalité exercée par les policiers ce jour-là entraîneront la mort de Lamine, qui est mort étouffé. Alexis de Soif plaidera pour le renvoi des policiers ce 2 février en correctionnel pour la mise en accusation des policiers en cause du décès de Lamine, après un non-lieu prononcé par la Chambre du Conseil de Courtrai. Donc ma question un petit peu, Alexis, souvent quand on entend les victimes qui racontent ces récits-là, ce que Ayoub nous raconte en termes de mensonges, de magistrature, du procureur, de tout ce que Ayoub nous raconte, est-ce que c'est son cas ou tu peux rencontrer ça dans les différentes histoires, notamment dans celle de Hadil ou de Moïse Lamine? Oui, d'abord dire que je suis très impressionné par le témoignage de Ayoub pour son frère Mehdi et ce qu'ils vivent, ce que cette famille vit et ce que cette maman a dû endurer. C'est absolument inacceptable et c'est une violence terrible, une violence d'État. Et on voit ça dans d'autres dossiers également. Moi, mon premier constat face à tous ces drames, c'est que ce sont des morts qui auraient dû être évitées, qui auraient pu être évitées. Maouda, Adil, Lamine, Mehdi, toutes ces personnes sont des jeunes, des enfants qui sont morts par la faute de policiers et ces morts auraient pu être évitées. Et on ajoute après, dans le processus judiciaire, finalement, du mépris et de l'insulte aux familles. Dans le dossier de Lamine, il faut savoir, et on va pouvoir le voir, c'est une constante, Selma Ben Khalifa pourra le confirmer pour l'affaire Maouda, mais les policiers se sont mis d'accord sur une version. Ils ont eu une réunion. Le corps de Lamine n'était pas encore froid, n'était même pas encore conduit à l'hôpital, qu'ils étaient déjà en train d'envisager de se retrouver au commissariat pour discuter le coup. C'est tout le contraire de ce que dit la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, les obligations procédurales de l'article 2 de la Convention. Quand une personne perd la vie et que des agents de l'État sont impliqués, il y a une responsabilité particulière qui repose sur la justice, sur l'État, pour connaître la vérité. Et comment connaître la vérité si on autorise aux personnes impliquées de se retrouver Rejoindre. Ah, ben super. Là, tu me vois ou pas? pour arriver à une version commune Attends. et Tu m'entends ou pas? échanger. Oui, tout le monde vous entend.
Et donc, pour arriver, à une version, commune où finalement, ils mentent. Et donc, le dossier de Lamine, il est truffé de mensonges. Il est truffé de mensonges. Et sur cette base-là, il y a un procureur du roi qui a rédigé un rapport de non-lieu. Et la chambre du conseil a suivi aveuglément ce non-lieu. La famille m'a contacté pour faire appel. On se retrouve le 2 février, effectivement, devant la chambre des mises en accusation. Nordine, pas devant le tribunal correctionnel. On espère que l'affaire va être renvoyée devant le tribunal correctionnel. Parce que ce n'est pas si évident. La chambre du conseil de Courtrai estime que le dossier pouvait s'arrêter. Pas de procès, non-lieu. Il n'y a pas de... C'est pas qu'il n'y a même pas de charge. Ils estiment qu'il n'y a pas de crime ou de délit commis par les policiers. Donc, ils estiment qu'il n'y a rien. Or, dans le dossier de Lamine, ils ont fait tout le contraire de ce qu'ils devaient faire. On dépose le module de formation de l'Académie de police qui dit clairement que quand le policier ou les policiers ont maîtrisé la personne en utilisant cette technique controversée du plaquage ventral, celle qui a mené aussi à la mort de George Floyd aux États-Unis, une fois qu'elle est menottée dans le dos, il faut la redresser ou il faut en tout cas cesser toute pression sur les épaules qui empêche en fait la cage thoracique de bouger. Parce que, dit le module de formation, le risque de mort est immense. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Il était maîtrisé, ils ont continué à deux policiers à mettre leurs genoux sur ses épaules, ils ne savaient plus respirer, ils poussaient des cris, ils ont interprété ça comme des cris de colère. Quand on entend la petite vidéo qui existe, on dit c'est plutôt des cris de détresse. Et ils ont envoyé un policier chercher des colsons dans le camion pour encore attacher ses bras avec sa cage thoracique, alors qu'il était déjà maîtrisé et qu'il ne se débattait pas. La petite vidéo de 41 secondes le montre. Et cette petite vidéo, j'ai dû insister pour qu'on la visionne à l'audience du 2 février, parce que le procureur général de la chambre des mises en accusation de Gand ne voulait pas. Et celui-ci a rédigé un réquisitoire en degré d'appel de 3 pages, demandant de nouveau le non-lieu, sans avoir vu cette vidéo qui était restée au palais de justice de Courtrai, et où il reprend des versions unilatérales des policiers, dont une simple lecture du dossier montre que ce n'est pas vrai. Et donc, effectivement, par des mensonges qui sont repris par le parquet, et je pense que ça va montrer que dans l'affaire Maouda, c'est exactement pareil, les mensonges de la police qui sont repris par le parquet dans le but de blanchir les policiers, de les disculper et de dire « c'est regrettable ce qui est arrivé, mais malheureusement, c'est la faute de la victime ». Ou c'est la faute des victimes, ou c'est la faute des familles, ou c'est la faute des migrants qui étaient dans la camionnette, ou c'est la faute de Lamine qui s'est débattu, qui a résisté, il n'avait qu'à pas résister. Et donc, c'est, voilà, c'est pour vraiment être en colère face à tant d'injustices. Ce que, dans le dossier de Lamine, on demande, c'est un renvoi correctionnel pour qu'il y ait un procès public, qu'on puisse tout étaler, qu'il y ait ce regard des journalistes qui veulent bien s'y intéresser, comme Michel Bouffiou. Et dans le dossier d'Adil, c'est pareil. Adil, il n'aurait pas dû mourir sur cette mobilette en essayant d'échapper à un contrôle de confinement et à une sanction administrative communale. Et ça se passe dans le croissant pauvre de Bruxelles, comme on vient, de l'autre côté du canal, où les sacs à 250 euros pleuvaient dans les jours qui précèdent, et il essaye d'échapper à ce contrôle, et il se tue. Sur sa mobilette, où il y a cette voiture de police qui vient en face, qui avait dans le projet de former un barrage pour l'arrêter, coûte que coûte. Et là, de nouveau, je parlais de l'article 2 et je m'arrête après parce que je vais être trop long, mais de nouveau, il y a un appel de cette voiture de police qui dit priorité et qui lance un appel prioritaire sur toutes les ondes de la police d'Anderlecht. Ça veut dire que toutes les voitures de police disent il y a une course-poursuite prioritaire qui doit être engagée. On ne sait pas, et les autres policiers qui entendent ça ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas que c'est pour échapper à une amende de Covid. Ça pourrait être un braquage, à main armée, un hold-up, et là, il faut peut-être coûte que coûte arrêter la personne, mais pour une amende de 250 euros, est-ce qu'il n'y a pas, dans l'article 37 de la loi sur la fonction de police, quelque chose comme la proportionnalité? Est-ce qu'il n'y a pas de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui dit qu'il ne faut pas par tous les moyens arrêter quelqu'un, il faut voir si c'est proportionné à l'atteinte à l'ordre public, et ici, ce n'est pas proportionné. Et donc, j'ai entendu, parce que évidemment, la famille prend connaissance de positions du parquet ou de la police dans la presse, que
dans l'affaire d'Adil, il y aurait un non-lieu comme il y a eu pour l'affaire de Mehdi. D'abord, on est très surpris d'apprendre ça par la presse. Et puis, je me dis, mais on n'en est qu'au stade des charges. Dire qu'il y a un non-lieu, on peut peut-être faire quand même un procès public pour voir si cette course-poursuite était proportionnée. C'est une forme de contrainte. Est-ce que ça répond au prescrit légal, à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme? Et il ne faut pas nécessairement évacuer toutes ces affaires, comme pour celle de Mehdi, en disant « Ah non, on ne veut même pas, ça ne vaut même pas la peine d'organiser un procès. » Eh bien, c'est la preuve qu'ils ont, et ça donne l'impression que la justice a des choses à cacher, qu'ils n'ont pas envie qu'on mette sur la table les éléments objectifs où on dit « Là, il y a eu une faute de la part des policiers. » Et tout le monde peut commettre des fautes. On espère évidemment que ce n'est pas une issue dramatique. Mais après, il faut assumer. Mais essayer de la cacher. Et là, c'est vraiment ce... Et on pourra parler de l'impunité. Mais c'est nourrir l'impunité. C'est de dire, en fait, aux policiers, vous pouvez faire ce que vous voulez, même si ça tourne mal. Il y aura toujours la hiérarchie qui va s'organiser en faisant des réunions de débriefing pour qu'on ait une version plausible. Et puis, les parquets vont suivre en disant... Il n'y a pas de crime ou de délit où il n'y a pas de charge suffisante pour un procès, et ça va être le non-lieu. Et en plus, comme dans le dossier de Lamine, les policiers se plaignent et attaquent la famille au civil en référé en disant « Sur les réseaux sociaux, vous vous plaignez de notre action, mais vous portez atteinte à notre image, c'est difficile pour nous, avec nos familles, nos amis, etc. Roulers, c'est une petite ville. » Et c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Les victimes et les familles des victimes sont accusées et doivent se justifier devant un juge des référés parce qu'ils ont osé se plaindre sur Facebook. Je suis révolté. Et donc j'espère que des juridictions d'instruction avec des magistrats indépendants qui président ces audiences vont prendre leurs responsabilités et dire que la moindre des choses, c'est de faire un procès public. Comme pour l'affaire de Maouda, eh bien, il faut que pour Lamine, pour Adil, pour Mehdi, il y ait un procès. C'est rendre justice, c'est important, aussi pour les survivants. Ça ne rendra jamais leur enfant, ça ne rendra jamais leur frère, mais il faut rendre justice, c'est très important, c'est le rôle de la justice. Merci beaucoup, Alexis. Tu dis que tu es en colère, c'est normal, nous sommes tous en colère. Ce que tu dis appuie... Ce qu'a dit Ayoub juste avant. Entre-temps, il y a Amel Bentounsi qui nous a rejoint. Bonsoir Amel, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Bah, bonsoir, merci pour l'invitation. Je suis désolée pour le retard, j'étais en manif, donc je viens d'arriver. Donc voilà. J'allais dire que j'ai vu que tu étais fort occupée aujourd'hui, donc tu auras l'occasion de nous l'expliquer. Que Amel n'ait pas entendu l'intervention d'Ayoub, elle était normalement juste avant. Si, j'ai entendu un petit peu, parce que je regardais sur le portable via la page Facebook. J'allais dire que ce n'est pas grave, ou c'est tant mieux même que tu n'aies pas entendu Ayoub. Ça nous permettra de voir les ressemblances. Et donc, on va faire différent que la police, on ne va pas faire une collusion de témoignages. On va vous entendre séparément et voir s'il y a des choses qui correspondent. Donc là, je vais te poser Amel, non, je vais te présenter d'abord. Amel, comme ça m'a interpellé, Amel, tu le dis, avant tu avais une vie normale, comme si on peut dire. En 2012, le gardien de la paix d'Amiens, Sabounidjan, tire à quatre reprises sur Amine, 29 ans, l'atteignant mortellement d'une balle dans le dos. Il est renvoyé devant la cour d'assises. Le gardien de la paix est acquitté en première instance, puis condamné en appel à Paris à 5 ans de prison avec sursis et 5 ans d'interdiction de port d'armes pour ses violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, commises dans l'exercice de ses fonctions. C'était le 10 mars 2017. Amel est devenue militante par la force des choses, ou comme je le dis des fois, par accident de la vie. Quelques mois après le décès de son frère, en novembre 2010, elle fonde le collectif Urgence Notre Police Assassine, suite à la rencontre avec plusieurs familles de victimes de violences policières.
Plus tard, elle fonde l'association l'Observatoire national des violences policières, qui est à l'initiative de l'application vidéo urgence violences policières. Donc, Amel, je vais te poser la question, pas sur la même question que Ayoub. Comment et de quelle manière tu as été informée et quelle version as-tu reçue sur la mort de ton frère? Alors, pour l'affaire de mon frère donc, qui est mort le 21 avril 2012, on a reçu un coup de fil le lendemain de ce drame. Et on nous a informé, moi j'avais déjà vu la veille, j'avais déjà vu à la télévision, donc les gros titres c'était un braqueur multirécidiviste, échange de tirs, fusillade, donc sans penser que c'était mon frère, mais bon. Et donc le lendemain quand on m'a appelé et quand le policier m'a dit que c'était le commissariat de Bobigny. Donc là, tout de suite, je lui ai posé la question de savoir si c'était mon frère. Et donc là, oui, il m'a dit que c'était mon frère. Et donc, du coup, je l'ai appris comme ça. On ne m'a pas donné plus d'explications. Tout de suite, j'ai appelé mon avocat. Il y avait plein d'éléments, puisque les gros titres, c'était un braqueur multirécidiviste, fusillade. Donc, tout de suite, j'ai appelé mon avocat, je lui ai dit il faut qu'on se constitue partie civile parce que c'est important de savoir, parce qu'au-delà du passé judiciaire qu'avait mon frère, je savais qu'il y avait un truc qui n'allait pas, donc j'avais comme une espèce de pressentiment. Donc, on s'est constitué partie civile tout de suite et ce qui viendra conforter mes soupçons, c'est... L'autopsie qui va indiquer que c'est une balle dans le dos qui est rentrée et que à partir de là, quand c'est une balle dans le dos, on peut pas parler de légitime défense. Donc au départ, donc dans tous les médias, c'était la légitime défense, les syndicats policiers qui sont montés au créneau de façon à dire qu'ils étaient en état, que le policier était en état de légitime défense. Donc ça ne tenait pas en fait leur version policière. Et donc du coup, je n'étais pas du tout militante, mais pour moi il était important de connaître la vérité, de connaître et de rendre justice à ce petit frère à qui on n'avait jamais fait de cadeau en fait, parce que lui quand il avait fauté, à chaque fois qu'il avait fauté, il avait pris des peines et pourtant il avait tué personne. Et donc pour moi c'était important de rétablir la vérité, de rétablir aussi son image, puisque à partir du moment où il était considéré comme un délinquant, ça aurait voulu dire qu'il fallait ne pas le défendre en fait. Alors qu'on est dans un état de droit et que tout le monde a le droit à la justice. Et donc, je me suis lancée dans un combat qui m'a un peu dépassée et qui aujourd'hui, 9 ans après, malgré la condamnation en demi-teinte qu'a eu ce policier, c'est une victoire qu'on a arrachée par le combat qu'on a mené. C'est pas la justice. Qui s'est rendu naturellement comme ça pourrait se faire dans différentes affaires où des hommes perdent la vie. Là, la seule différence, c'est qu'on était face à une institution, face à un corporatisme, face à une espèce de mafia qui était là pour être ensemble et mentir, en fait. Puisqu'on l'a vu lors du premier procès, à Bobigny, en première instance, vous avez l'un de ses collègues, l'un des collègues du policier, Damien Saboudjian, qui s'est effondré à la barre et qui a dit, en fait, tout ce que je vous ai dit, j'ai menti, j'ai rien vu, tout ce que je vous ai dit, c'est les propos de Damien Saboudjian, mais moi, je n'étais pas là. Donc voilà, donc, on en était là, donc déjà ça nous a permis d'avoir plusieurs explications, mais aussi au-delà des témoignages, et pour une fois l'IGPN
dans cette affaire-là, ce qui est assez rare, il faut le rappeler, dans l'affaire de mon frère, a fait le taf. Et a tellement fait le taf qu'à un moment donné, on a reproché à ce policier qui menait l'enquête dans l'IGPN de trop malmener ce policier qui avait fauté à ce moment-là. Donc, on l'a menacé. Et donc, du coup, on a eu plein de révélations comme quoi ce policier avait obtenu le soutien du président de la République de l'époque, qui s'était exprimé sur le sujet. Et c'en était devenu une affaire politique, puisque la mort de mon frère, c'est, il faut le rappeler, c'était entre les deux tours présidentiels. Et donc voilà, donc, ce combat-là, on l'a arraché parce qu'on a mené une mobilisation. Une mobilisation, on a appelé à témoins. Pendant presque 3 mois, j'ai manifesté sur la place là où il est décédé. Et au départ, on n'avait qu'un témoin. Qu'un témoin, c'était l'automobiliste qui s'était pris la balle que le policier avait tirée. Et il a vu mon frère s'effondrer face contre terre. C'était le premier témoignage. C'était le seul témoignage qu'on avait. Et peut-être que si cet homme-là n'avait pas pris de balle, peut-être qu'il aurait continué et puis on n'en aurait jamais entendu parler. Donc, grâce à ce premier témoignage, déjà, il y avait des choses qui n'allaient pas. Mais après, par la suite, grâce aux mobilisations, puisqu'on partait du lieu où mon frère s'est enfui jusqu'au lieu où il est tombé face contre terre quand on lui a tiré une balle dans le dos. Et c'est, cette mobilisation a payé, vraiment. Et de un témoin, on est passé à 7 témoins. 7 témoins qui viendront témoigner à la barre et qui diront Amine Bentounsi courait, il était de dos, à aucun moment il a porté atteinte à la vie de ce policier. Et dans ces 7 témoins, la chance qu'on a eue aussi, c'est d'avoir eu 3 élèves avocates qui étaient dans une voiture. Elles étaient avec leur maman et il y en a une, donc la maman qui apprenait qui faisait la conduite accompagnée. Donc c'est grâce à ces témoignages-là aussi où on a pris au sérieux, puisque dans un premier temps, ces témoins se sont adressés au commissariat de Noisy-le-Sec, et on leur a dit non, on n'a pas besoin de votre témoignage, c'est bon, voilà, circulez, il n'y a rien à voir. Et donc, du coup, comme maintenant elles sont devenues avocates, et que elles se sont dit c'est pas normal, donc elles se sont adressées au juge, bien évidemment, avec leur témoignage. Et ça a fait peser aussi la balance. Et donc, du coup, dans un premier temps, le policier a été inculpé pour homicide volontaire. Donc là, c'est tous les policiers qui sont sortis dans la rue, sirène hurlante jusqu'aux Champs-Élysées, pour contester ce chef d'inculpation, pour dire que, en fait, non, c'est pas possible, que pour mettre la pression à la justice, en fait, tout simplement. Et avec le temps, il aura fallu qu'il y ait une expertise balistique qui n'en est pas vraiment une, qui indique que en une fraction de seconde, un homme peut se retourner et qu'éventuellement, la légitime défense, elle aurait pu être retenue par rapport à ça. Donc, il y a le chef d'inculpation qui a changé, qui s'est transformé en violence volontaire, ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. Mais ça, c'est aussi à cause de la pression des syndicats policiers qui font ce travail-là auprès de la justice. Et dans de nombreuses affaires, hein, dans de nombreuses affaires où rares, où la justice a le courage de poursuivre, on met la pression à ces syndicats policiers. Là, ce soir, je suis avec Jessica Koumé, la femme d'Amadou Koumé aussi, qui est mort exactement dans les mêmes conditions que George Floyd. Elle, pareil, elle fait partie du collectif. C'est grâce à la vidéo de ce bar où elle a pu obtenir des mises en examen. Donc, d'où l'importance des témoignages, d'où l'importance des vidéos, de sortir les caméras. Et c'est d'ailleurs pour ça
qu'on a réfléchi ensemble, parce qu'avec les familles, parce qu'au-delà du combat pour nos propres histoires, c'est un combat commun. C'est-à-dire que ce combat-là, on ne va pas le gagner si on est seul dans notre coin. Alors, bien évidemment qu'il y a des collectifs de justice pour les familles qui se montent. Mais moi, je suis persuadée que la force, c'est le collectif. Le collectif, qu'on ait son propre nom avec justice pour nos propres morts. C'est très bien, mais il faut savoir que c'est la pression qu'on... Le fait est qu'on soit tous ensemble, que tous ensemble, on dise tous la même chose, qu'on dise qu'à un moment donné, que nos victimes, nos frères et sœurs ne sont pas morts de la même façon, ni pour les mêmes raisons. Mais en tous les cas, le processus reste identique à chaque fois. À chaque fois, les victimes sont criminalisées à titre posthume, de façon à les rendre coupables de leur propre mort, de façon à ce que l'opinion publique aussi se désolidarise de ces victimes, de dire, bon, bah, quelque part, ils l'ont cherché. Donc, nous, on est là pour commémorer la mémoire de nos morts, de demander la justice pour enfin trouver la paix, parce que ce slogan, il sonne fort dans nos têtes, parce que nous, on est passé par là. Moi, personnellement, je suis passée par là. Pendant des années, pendant que je menais ce combat, ce combat pour la justice, je menais aussi un combat contre moi-même, parce que quand je dis l'injustice crée des monstres, il y avait un monstre qui était en train de se nourrir, s'alimenter en moi pendant des années silencieusement, et que si je n'avais pas obtenu la justice, peut-être que ça aurait été autrement. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que ça, il faut en tenir compte. Et c'est pour ça qu'on essaye de s'entraider entre les familles, d'essayer d'obtenir une réponse collective au-delà de nos propres affaires. Donc voilà, donc on a réfléchi à cette application parce que via la page Urgence Notre Police Assassine, on reçoit énormément, énormément de messages, de vidéos. Parce que quand on cherche sur Internet, quand on est victime de la police, on n'est pas des victimes à part entière. On est des victimes qui sommes taxées d'être anti-police. Alors, il n'y a pas plus républicain que quelqu'un qui demande la justice. On est d'accord. Si on ne demande pas la justice, c'est qu'à un moment donné, on peut passer à l'acte, nous aussi, par vengeance. Et ce n'est pas ce qu'on a envie de faire. On a envie de trouver la paix. Moi, personnellement, je l'ai trouvée, la paix. Je vais vous dire, je vais vous raconter. Vous savez, le lendemain du procès, quand il s'est terminé et que ce policier, en deuxième instance, il a été condamné, j'ai été chercher une baguette à la maison, à la boulangerie à côté de la maison. Et, je me suis entendue, et c'était la première fois depuis 5 ans que j'entendais les oiseaux chanter. Donc, c'est pour vous dire, on est dans un espèce de tunnel noir où on pense, on mange, on vit. On vit ce drame tous les jours parce qu'on se dit comment c'est possible que des gens meurent et comment c'est possible que personne ne s'indigne de ça. Comment c'est possible? Et ça, c'est juste révoltant. Et quand vous avez le parquet qui prononce des non-lieux, vous savez comment ça résonne dans la tête d'une famille, un non-lieu. Un non-lieu, ça veut dire il ne s'est rien passé, non-lieu. Ça n'a pas lieu d'exister. Donc, ça veut dire que vous avez perdu quelqu'un de votre famille et on vous dit il y a non-lieu. Il n'y a pas de poursuite. Les gens qui sont responsables, ne seront pas traduits devant les tribunaux et vous n'obtiendrez pas la justice. Il y a vraiment de quoi devenir fou, il y a de quoi péter un câble, il y a de quoi... Voilà, je ne vais pas utiliser les mots parce que c'est compliqué, mais il faut réfléchir à tout ça, à toutes ces conséquences. Et on en est là, c'est pour ça qu'on essaie de trouver des solutions. L'application qu'on a conçue, c'est pour... Amel pas... Oui, pardon. Je me permets, parce que... donc là, tu vas passer dans la... Parce qu'on n'est pas là pour objectiver les choses. Je pense que
personnellement, mais je pense qu'on peut être plusieurs d'accord. Pour un noir, un arabe, le rapport à la police, il est particulier depuis 40 ou 50 ans. Donc, on n'est pas là pour objectiver les choses, on est là pour s'organiser et changer les choses. Tu dis qu'Ayoub et Alexis aussi mettent en avant la collusion de fonctionnaires, la violence sur les familles, la prendre par la presse, la violence des non-lieux. Ensuite, on reviendra vers toi et vers tout le monde sur comment s'organiser en tant que militant, en tant qu'avocat, en tant que collectif pour changer les cours des choses. Et c'est là que, justement, tu as invité pour ça aussi ton expertise. Merci beaucoup, Amel. Selma. Oui. Selma Ben Khalifa, elle est avocate et militante antiraciste. Elle fait partie du réseau Progress Law depuis 2001. Selma est spécialiste en droit des étrangers et est en première ligne dans la défense des sans-papiers depuis de nombreuses années, notamment des grévistes de la faim afghans, kurdes, iraniens, et aussi des occupations dans les églises depuis mars 2017 au moins. Selma a en ami en commun avec Alexis de Soif, le Van der Smissen. Voilà. Et j'ai oublié de dire aussi, Amel, que tu as repris des études d'avocate. Donc, on y reviendra aussi dans la seconde partie de la soirée, si je peux dire. Selma, tu es l'avocate de la famille Maouda. Est-ce que je peux te demander aussi la même question, comment tu as été mis au courant des faits, comment tu en as été mis au courant, comment tu t'es organisé par rapport à la famille Maouda. Est-ce que les choses que Ayoub, Amel, Alexis ont dit vont se répéter dans ton témoignage, c'est-à-dire la collusion de fonctionnaires, les mensonges, la presse au service de la police? Voilà, on t'écoute. Merci, Selma. Merci à vous. Ben voilà, pour la famille Maouda, la petite différence avec les autres affaires, c'est que c'est une famille de migrants. Ils n'ont pas de papier. Donc, ils ne sont même pas censés être là. Et donc, la manière dont ça s'est organisé, après le tir policier qui est intervenu à la fin d'une chasse aux migrants, eh bien, le policier tire vers la camionnette. La petite Maouda meurt. Elle est touchée d'une balle dans la tête. En tout cas, elle mourra peu de temps après. Elle est dans les bras de sa maman. La camionnette s'arrête. Les policiers font descendre les migrants de la camionnette et ils mettent tout le monde en état d'arrestation. Ils interdisent à la maman, au papa, de monter dans l'ambulance pour accompagner leur fille. La petite meurt seule et les parents sont agenouillés sur le parking de l'autoroute, braqués comme si c'était des criminels et emmenés au poste de police. Ils apprendront la mort de leur fille en détention. Ils ne seront libérés que 24 heures plus tard, sans information, sans qu'on leur explique comment ils peuvent porter plainte. Au contraire, ils sont libérés avec un ordre de quitter le territoire belge. Donc, normalement, l'affaire s'arrêtait là. Parce que dans le cas de la petite Maouda, les mensonges ont été jusqu'à ce que les policiers prétendent aux ambulanciers et puis dans le dossier, dans tout le dossier, que la petite n'était pas morte par balle. Il y a un premier médecin légiste qui ne voit pas le corps, mais qui accepte cette version et dit la petite n'est pas morte par balle, elle est morte d'un traumatisme crânien. Elle est, d'abord ils disent, tombée de la camionnette. Ensuite, ils disent que c'est les migrants eux-mêmes qui ont cogné sa tête contre la vitre de la camionnette. Et ils prévoient même l'enterrement le lendemain à 11h du matin. Donc, normalement, il n'y aurait même pas eu d'affaire. On n'aurait enterré cette petite ni vue ni connue. Et il n'y aurait pas... Enfin, il y aurait...
il n'y aurait pas le procès qui va, y avoir, qui va s'ouvrir lundi. Ce qui s'est passé, c'est que c'était, dans cette camionnette, c'était des migrants kurdes et afghans. Les Kurdes, c'est une communauté assez soudée qui se connaissent entre eux. Et les premières personnes qui ont été libérées, parce que tout le monde a été libéré avec un ordre de quitter le territoire, les premières personnes qui ont été libérées téléphonent un peu autour d'elles, téléphonent à des activistes qui les avaient aidés quand ils étaient dans un camp de réfugiés à Grande-Synthe en France, et les activistes préviennent la presse. Et c'est quand l'information est sortie dans la presse, et les Kurdes, je vous l'ai dit, c'est une communauté assez soudée, et j'ai été, mon cabinet et moi-même, depuis longtemps, on est avocat en droit des étrangers des Kurdes, donc la communauté, des gens de la communauté nous connaissent et ils ont dit il faut aller voir les avocats. Et c'est comme ça que cette famille a eu des avocats et qu'on a pu empêcher l'enterrement presque immédiat de la petite, qu'une autopsie a eu lieu, que les choses ont pu se débloquer. Mais donc, l'horreur en plus dans ce dossier-là, c'est que comme c'est des sans-papiers, on leur a juste demandé de quitter le territoire. La famille n'a pas été prévenue. La famille, on a exigé d'elle qu'elle se barre de Belgique. Sinon, en ce qui concerne les mensonges, ben c'est la même chose. Donc, les policiers font des mensonges, mais énormes et même absurdes et même mal faits. Et les policiers disent qu'elle est tombée par une fenêtre. Il y a une autre policière qui dit qu'elle est tombée par l'autre fenêtre. Enfin, ils disent n'importe quoi. Et le parquet fait semblant de les croire. Je dis bien fait semblant parce que ce n'est pas possible de croire un mensonge pareil. C'est juste tellement absurde que ce n'est pas possible que quelqu'un y ait cru sérieusement. Et pourtant, c'est ce qu'ils font. Et ils ont continué dans les mensonges parce qu'après tout ça, quand il y a eu l'autopsie et qu'on est convaincu que la petite est morte par balle, eh bien, le parquet arrive à faire une conférence de presse dans laquelle ils disent qu'il y a eu un échange de tirs. Et donc, ils ne sont pas sûrs si c'est un policier qui a tiré sur la petite ou si c'est un migrant. Alors que les migrants ont tous été mis en état d'arrestation, ils ont tous été fouillés, ils n'avaient pas d'armes. Il n'y a eu qu'un seul tir qui a été fait, et c'était par un policier. Et donc, on lit même dans la contre-enquête qui a été faite par Michel Bouffiou que quelqu'un a conseillé aux policiers de rédiger lui-même un PV de rébellion armée contre lui pour déjà essayer de justifier une légitime défense. Donc, on voit que tout se construit de manière à créer l'impunité, même avant qu'il y ait un juge d'instruction qui soit désigné. Et dans le dossier, je terminerai par là, on lit même qu'il y a eu ce débriefing. Là, donc ils se voient tous entre eux, ils s'arrangent entre eux, et le débriefing termine par ces mots terribles, il termine par un résumé de la situation. C'est plusieurs pages, hein, et la dernière page, il y a un petit résumé. Et le résumé, c'est tous autour de la table sont d'avis que l'opération a été très bien gérée. Donc, ils ont fait une opération de police dans laquelle ils ont tué une petite fille pour arrêter des gens qui, dans les 24 heures, sont tous libérés parce que c'est des gens qui n'ont rien fait d'autre que d'être des migrants. Et malgré ça, malgré qu'ils ont tué une petite fille, ils arrivent à être très fiers d'eux-mêmes et dire « les gars, on a vraiment fait du bon boulot ». Il n'existe aucun emploi au monde dans lequel, quand on tue quelqu'un, on dit « les gars, on a fait du bon boulot ». Eh bien, eux, ils arrivent à tuer une gamine de 2 ans et à être satisfaits de la manière dont ils ont travaillé. Ils s'auto-félicitent les uns les autres. Franchement, on a bien fait ça. Et c'est ça qui est affolant. Merci Selma. Chacun de vos témoignages sont glaçants, traumatisants. Mais comme je l'ai dit, on n'est pas là pour
pour objectiver ou entendre des témoignages et se faire bonne conscience. On passera après plus dans comment s'organiser aussi face à ça. La soirée de ce soir, c'est sur l'impunité judiciaire et la police. Donc, entendre vos interventions à la première partie sur l'impunité semble assez clair. Donc maintenant, si on va passer la parole avec Michel Bouffiou. Michel Bouffiou, qui est journaliste professionnel depuis 1987. Il est journaliste d'investigation et s'intéresse à des dossiers sociétaux, historiques, judiciaires, comme le cas de l'affaire Maouda, mais aussi la révélation de crânes humains ou de restes humains dans le cas de l'affaire de Lusinga, plus aussi du travail d'investigation sur la question de la colonisation de l'espace public, mais aussi dernièrement qui s'est fort intéressé à la question du Covid avec des entretiens très pointus avec Maryse Gilbert. Il a travaillé dans plusieurs rédactions belges, dont il a été fondateur de l'hebdomadaire Le Journal du Mardi en 1999. Et depuis 2007, il fait partie de l'équipe rédactionnelle de Paris Match. Et donc, vous pouvez trouver sur son blog, pour qui s'intéresse à la question de Maouda, il est indispensable de lire l'enquête, certains, je crois même toi Michel, tu l'appelles la contre-enquête, mais comme je ne suis pas sûr qu'il y ait eu réellement une enquête, je pense qu'on lit l'enquête de Michel Bouffiou, et dont un de ses derniers posts, c'est « Il n'y a pas eu que la course-poursuite. Le tir mortel d'un policier et les mensonges qui suivaient. Comme le démontre aujourd'hui cette contre-enquête, la mort de Maouda s'est inscrite dans le prolongement d'une opération policière franco-belge de surveillance transfrontalière qui utilisa des méthodes éthiquement contestables. » On peut, Michel, en lisant ça, comprendre que les méthodes éthiquement contestables ont été décrites ici un petit peu avant, en tout cas beaucoup par les quatre interventions avant. Ma question pour toi ne sait pas comment tu t'es intéressé à Maouda, mais est-ce que, pas toi, je vais dire, je trouve personnellement que très souvent, et les interventions avant le confirment aussi, de toute façon, très souvent, si pas toujours, les journalistes sont en fait le relais de la police et de la magistrature. Donc voilà, je te donne la parole sur... Ah oui. Bah, c'est gentil de me donner la parole sur ce thème-là. Je vais être encore le mauvais élève de la classe, mais c'est vrai qu'il y a un problème structurel pour faire porter la parole des citoyens dans les médias quand ils sont confrontés à un pouvoir comme le pouvoir judiciaire. Et je pense qu'il y a un problème qui est structurel dans l'organisation même du travail des journalistes qui travaillent sur ce genre de questions judiciaires, c'est que par la force des choses, ceux qu'on appelle les faits diversiers qui couvrent toutes les affaires judiciaires au jour le jour dans les quotidiens sont en contact beaucoup plus régulier avec des gens du parquet, du monde judiciaire, qu'avec les victimes dont on parle dans les affaires judiciaires. Donc, très concrètement, il y a des journalistes qui, tous les jours, sont dans les palais de justice pour avoir la version du parquet, puisque c'est le parquet qui communique, et ça, c'est aussi structurel. C'est le parquet qui communique sur les affaires. Donc, ce n'est pas une vision qui est tout à fait neutre. Et donc, l'information sur les faits judiciaires, au jour le jour, est donnée de cette manière-là, dans des relations qui deviennent finalement des relations de proximité entre certains magistrats et certains journalistes qui se voient au quotidien. Et donc, par rapport à ça, il y a bien sûr une possibilité dans ce pays de faire du journalisme d'investigation, mais ce n'est quand même pas aisé, franchement.
il y a peu de débouchés, en tout cas pour les gens qui veulent faire cette pratique du métier-là. C'est pas évident. Donc, il n'y a pas énormément de rédactions qui le permettent encore. Et donc, finalement, les journalistes sont dépendants de ceux qui leur donnent l'information au quotidien. Et quand on reçoit au jour le jour des informations sur des faits judiciaires de tel et tel membre du parquet, finalement, au moment où ça commence où il y a un problème avec la justice, avec le parquet que l'on rencontre tous les jours, eh bien, c'est parfois difficile d'avoir la distance qu'il faut. Donc moi, j'ai la chance de pouvoir avoir du temps pour travailler. Je pense que le temps, c'est la clé de tout. J'ai un employeur qui me donne vraiment le temps de gratter. Et j'ai aussi une histoire personnelle, parce que ça fait longtemps que je fais ce métier, ça fait plus de 30 ans que je le fais, qui me permet aussi de porter des sujets, et je dirais qu'on me laisse les porter, puisque même quand il s'agit de se livrer à un exercice de contre-pouvoir par rapport à la justice, je pense que ça demande d'être très précis, parce que justement, vous courez un peu seul alors que les autres disent la version du parquet. Ça se voit très fort dans l'affaire Maouda. Finalement, je n'estime pas avoir de mérite pour ce que j'ai fait. Ce que je relève surtout, c'est que ça témoigne de tout ce qui n'a pas été écrit par ailleurs dans les médias, parce que bien d'autres auraient pu l'écrire, mais peut-être qu'ils n'étaient pas dans les conditions matérielles qui leur permettaient non plus, puisque, encore une fois, le facteur temps est tout à fait essentiel. Et puis, bon, évidemment, il faut aussi, ne pas se laisser impressionner par le discours du pouvoir. Mais ça, je pense que si on est impressionnable et quelque part soumis, il ne faut pas être journaliste. Ça, c'est ma conviction. Pour moi, le journaliste est avant tout quelqu'un qui doit pouvoir s'indigner. Mais je suis très frappé dans ce que j'ai entendu jusqu'à présent de la correspondance entre les différents témoignages. Quand, dans le premier témoignage, on entend qu'on a appris ce qui s'est passé par la presse. Et puis après, dans la phrase suivante, Ayoub dit « Mais ce qu'on a appris, c'est la version policière. » Eh bien, ça dit tout. Ce qu'on a appris par la presse, c'est la version policière. Et dans l'affaire Maouda, c'est la même chose. Le début de l'affaire avec cette histoire de migrants qui ont tué eux-mêmes un enfant dans une camionnette en se servant de sa tête comme bélier pour casser la vitre arrière de la camionnette pendant la poursuite. C'est une histoire qui est complètement loufoque, complètement horriblement loufoque et stupide, etc. Mais elle a tout de même été publiée dans la presse. Et pourquoi ? Parce que le parquet l'a dit. Et donc, je pense que cette affaire, il faut le dire honnêtement, elle interpelle évidemment la justice, mais elle interpelle également les médias, je pense, et elle interpelle en fait toute notre société, parce que moi, ce que j'ai quand même constaté dans cette affaire Maouda, mais je pense que les témoignages aussi qu'on a entendus précédemment donnent le même sentiment, c'est une forme d'indifférence aussi dans notre société par rapport à des faits qui concernent des personnes qui sont peut-être pas assez d'ici, peut-être pas assez blanche, peut-être, je ne sais pas. Il y a là quelque chose qui, moi, m'a un peu horrifié dans le traitement de l'affaire Maouda, de rencontrer tellement de réactions d'indifférence, tellement de phrases toutes faites. Hein, elle n'avait pas qu'à pas être, la famille n'avait qu'à pas être dans la camionnette, etc. C'est de leur faute. Et beaucoup de réactions qui sont teintées de racisme également. Et ce que je vois en plus, pour clôturer cette première intervention, dans tous ces témoignages, c'est qu'on retrouve toujours cette idée de coalition de fonctionnaires, c'est-à-dire d'une certaine organisation au niveau policier pour produire un message. Et en plus, je pense que un certain nombre de syndicats de police
un certain nombre de magistrats ont beaucoup plus de contacts dans la presse que des simples citoyens pour faire passer leur message. Et voilà, donc il y a aussi un déséquilibre à ce niveau-là, parce que dans ces dossiers-là, l'information, c'est évidemment une clé. Le pouvoir, c'est l'information. Et donc, il y a déjà un premier combat pour les gens qui sont victimes comme ça d'injustice, de simplement avoir accès à la parole. Et voilà, moi, je regrette de ne pas avoir traité les autres dossiers dont on a parlé ce soir, mais en même temps, voilà, bon, ça, c'est humain. Il n'est pas possible pour moi de traiter plusieurs affaires en parallèle comme ça, parce qu'une affaire comme celle de Maouda demande aussi, si on veut bien la voir dans son ensemble, vraiment un travail très en profondeur pour essayer de débusquer tous les mensonges innombrables et intolérables qui sont un peu partout dans ce dossier. Mais voilà, je ne veux pas occuper trop longtemps la parole. Je voulais dire que tout à l'heure, à la fin de l'intervention, comme ça peut-être que ça dérangera personne, j'ai aussi écrit un texte en préparation de cette conférence, et je crois que, bon, tout à fait à la fin, j'aimerais bien le lire. Il est un peu long, mais c'est pour moi une forme de profession de foi par rapport à cette affaire Maouda qui me révolte profondément. Voilà. Merci Michel. Donc j'invite tout le monde à la fin, écouter l'exclusivité en fait du soir, les confessions de Michel Bouffiou sur l'affaire Maouda. Ça risque d'être assez instructif, je vais dire. Michel, merci. Tu me permets de venir avec un point que tu as évoqué, en fait. Mais plusieurs l'ont fait avant. On a parlé, donc c'est en fait la spécificité raciale des violences policières. Je veux dire, tout ça ne commencerait-il pas par la légitimité, en fait, de contrôler les Noirs, les Arabes, et ne parlons même pas, comme l'a dit Selma, les migrants qui n'ont même pas droit d'exister, en fait. Donc, la spécificité de la question raciale sur les violences policières, est-ce qu'on en parlerait pareil si Maouda s'appelait Martine, si Amine s'appelait Alain, si Mehdi s'appelait Martin, voilà, je pose la question. Alexis en a parlé, en fait, un petit peu aussi en parlant de violence d'État. Donc, moi, je propose, est-ce qu'on peut aller plus loin en parlant de racisme d'État? Parce ce qui me marque, c'est quand tu Alexis, en fait, parle de Lamine qui a dû être maîtrisé parce qu'il était en colère. Et donc, est-ce qu'on peut faire ça avec un blanc où les Noirs sont directement en colère? La question de la criminalisation aussi. On entend que dans le cadre de Amel, dans le cadre de Ayoub, dans le cadre de Selma, je veux dire, chaque fois, il y a une criminalisation des victimes. Et donc, la question, voilà, peut-être au feeling, comme ça, je demanderai à, parce que c'est le profil, je le fais au faciès, là, comme je me mets dans la peau d'un policier. Donc, Ayoub, tu es mon principal suspect. Est-ce que pour toi, en fait, la mort de ton frère Mardi, Layahmo, a été une découverte de... voilà ce qu'est la police, ou voilà, avec ta tête, ton nom et ton profil, est-ce que le rapport à la police en avait déjà eu perception? Moi, personnellement, déjà pour moi, oui. Je l'ai déjà vécu plusieurs fois. Moi, il faut savoir que je suis né à Bruxelles, donc j'ai grandi à Bruxelles, et que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me faire contrôler, même dès 13 ans. Moi, je me rappelle de l'un de mes premiers contrôles. C'est à 13-14 ans, j'étais à une école, l'école Léon Lepage. Je sortais de l'école avec tous mes amis, enfin tous mes camarades lors des examens, et on était tous typés. Et ce qui s'est passé, c'est quand on est sorti, bon, on nous a contrôlés devant l'école en disant qu'on faisait un rassemblement. Et à cette époque-là, il n'y a pas de Covid ou quoi que ce soit. Donc, on faisait un rassemblement et on avait 13 ans, 14 ans, et on se faisait contrôler par la police. Et les profs qui sortaient nous regardaient en plus nous faire contrôler.
Il y a un prof qui est venu interpeller les policiers en leur demandant pourquoi. Elle leur dit oui, c'est un simple contrôle de routine. Et maintenant, même moi, avec le recul, en me disant que le prof ait pu accepter que ce soit un simple contrôle de routine à des jeunes qui ont 13 ans ou 14 ans, c'est quand même fou. Et on nous a reproché plusieurs choses, d'avoir des ciseaux. Ça a l'air bête, hein. C'est des ciseaux pour nos cours d'art, dans nos sacs, d'avoir des compas en disant alors qu'on sort des cours, quoi. Enfin, c'est complètement fou. Déjà ça. Et puis, je pense que le côté racial, bien sûr que ça a un impact. Il faut savoir que mon petit frère Mehdi, avant d'avoir été percuté, d'avoir été tué mortellement par la voiture, il était avec 8 amis à lui au Mont des Arts. Mehdi, c'était un artiste. Il était dans une école d'art à Saint-Luc. Il était très apprécié là-bas et tout. Il était avec 8 amis. Sur les 8 amis, Mehdi était le seul qui était typé étranger. Et comme par hasard, la police, elle dit que mon frère fuit un contrôle. Mais sur ces 8 amis, quand je leur pose la question, il n'y en a aucun qui s'est fait contrôler. Ça voudrait dire que la police a trouvé pertinent que, au moment où mon frère et ses amis se séparent pour aller prendre leur chemin pour rentrer à la maison et prendre le dernier métro, le seul qu'il fallait suivre, le seul qu'il fallait contrôler, c'est Mehdi. Si contrôle il y a eu. Donc c'est clair qu'il y a, y a clairement un impact racial. Enfin, il y a une différence, il y a une discrimination clairement. La lecture, même les policiers, leur lecture comment dire, de l'espace public. Quand quelqu'un, par exemple moi, allez, je reprends bêtement l'exemple du confinement. J'étais devant chez moi avec trois amis. On parlait à distanciation sociale et tout. Juste parce qu'on était habillé en training et tout, on se fait contrôler alors qu'il y a un groupe de vieilles dames âgées qui font la même chose à 100 mètres de nous. Et quand on demande aux policiers pourquoi on nous contrôle, ah mais vous avez l'air suspect. Et puis quand on demande les motifs du contrôle, on dit oui, mais il y a eu un incident. Enfin, c'est toujours la même chose. Et ce qu'il y a aussi, c'est que nos droits par rapport à la police, quand on a des interactions avec eux, quand ils viennent déjà nous contrôler, il y a des gens qui commettent vraiment des. Allez, quand on vient et qu'on leur parle de nos droits, qu'on leur dit que voilà, on aimerait bien savoir pourquoi on se fait contrôler, le numéro de matricule des policiers pour donner suite à ça parce que c'est inadmissible. Enfin, c'est complètement bafoué. En fait, pendant un contrôle, il faut savoir, vous êtes humilié en fait. Moi, quand je me fais contrôler devant chez moi et que tous mes voisins me regardent, je me sens humilié. Déjà par rapport aux stéréotypes qu'ils ont. Et puis au-delà de ça, le contrôle de la police appuie ça, alors qu'en aucun cas c'est réel. Déjà, je me sens humilié. Puis après, il y a les insultes qui fusent, la provocation dans certains cas. Et voilà. Et après, ça peut mener à des moments où il y a des gens qui le prennent mal, qui le prennent pour eux-mêmes, et enfin qui se révoltent par rapport à ça, qui ne veulent pas laisser ça passer. Et c'est de là que tout le problème démarre. Et il faut aussi savoir qu'il y a des policiers aussi qui contrôlent, enfin qui contrôlent et pour eux, enfin c'est en fait c'est devenu une normalité en fait de stigmatiser certaines personnes et de s'acharner sur elles. Il m'est déjà arrivé moi, clairement, avec ma voiture, de me faire contrôler 4 fois sur la même journée. Et que ma femme qui roule, qui fait le même trajet que moi, elle ne se fait pas contrôler. Enfin, on voit vraiment une différence de traitement et de comportement par rapport à ça. Et on comprend après, moi je peux comprendre qu'un jeune ne veut pas se faire contrôler. Parce que je sais que cet agent-là, quand il va me contrôler, il va m'insulter. Ou pour le même prix, il va mettre une baffe. Parce qu'il faut savoir aussi que les personnes qui sont visées par rapport à ces contrôles, et je vais finir mon propos par rapport à ça, c'est souvent des jeunes. C'est souvent des personnes, des jeunes qui sont impressionnables. Comment je me fais contrôler à 14 ans ou à 15 ans? Bah oui, je suis impressionné. Je vois trois grands policiers qui sont là avec leurs gilets pare-balles, leurs armes en main, leurs talkie-walkie. Je me dis que je vais rien faire. Et si ce policier-là, ce qui s'est passé, ce qu'il y a là, c'est qu'on m'a insulté, bah je vais me taire en fait. Mais à la prochaine fois, quand moi je vais voir ce policier arriver, je ne vais pas vouloir me faire contrôler. Parce que pour le même prix, je vais lui répondre, je vais me prendre 2 gifles, je vais aller au commissariat et je vais me faire engueuler par mes parents. Parce que on a toujours malheureusement tendance à croire la police. Et ça, c'est naïf. C'est naïf de notre part. En tout cas, je parle dans mon cas. D'accord? Et c'est donc oui, clairement, on en fait face. C'est quelque chose de déterminant. On peut pas parler des violences policières sans parler de la stigmatisation par rapport aux personnes racisées. Ça, c'est clair qu'il y a un lien indéniable et que directement, quand on est une personne racisée, qu'on est noir, qu'on est arabe ou qu'on est étranger, qu'on est sans papier, ben directement, on est traité un peu différemment, en fait, comme des sous-humains, qu'on n'a pas le même droit. Je vous parle même d'une bête chose. Moi, depuis que quand il y a eu le décès de mon frère, j'ai décidé d'organiser une marche blanche. Quand j'ai organisé la marche blanche, c'est une cellule spécifique de la police qui est venue prendre ça en charge. C'est la cellule africaine. J'ai recherché cette cellule africaine sur Internet. Je la retrouve nulle part dans l'organigramme de la police. Vous vous rendez compte que moi, en tant que citoyen, qui ai une carte d'identité belge, mon frère qui est belge, j'ai droit à une police différente qu'un autre citoyen. Une autre cellule qui s'occupe de nous, qui est une cellule africaine. Pourquoi? Moi, je suis belge, je suis né en Belgique, j'ai grandi en Belgique, enfin, j'ai ma nationalité belge, mon frère aussi.
pourquoi maintenant j'ai droit à une j'ai accès à une police différente. Je pense que ça, c'est des éléments clairs qui montrent qu'il y a un lien clair entre les personnes, enfin la stigmatisation des personnes racisées et les violences policières. Voilà. Merci beaucoup, Ayoub. Amal, je me permets de rebondir. Aujourd'hui, vous manifestiez en France parce que, si je me trompe, la loi est passée pour l'interdiction de filmer la police. Aussi, si j'ai compris, en fait, ce n'est pas interdit, mais on ne peut pas filmer si ce n'est pour leur nuire. Donc, en fait, on pourra filmer la police quand ils donnent des enfants aux petits-enfants blancs, mais on ne pourra plus les filmer lorsqu'ils tuent un noir et un arabe. Et ensuite, après toi, Amel, j'aimerais bien Alexis et Asselma demander est-ce qu'il est imaginable, nous en tant que militants, mais vous aussi en tant qu'avocat, de plaider le caractère raciste de ces violences. Et Amel, aussi à toi la question. Est-ce qu'il est imaginable de plaider, parce que tu vas plaider bientôt? Pour en revenir à cette proposition de loi qui a été adoptée, donc adoptée ne veut pas dire légale. Donc moi, j'en appelle à la désobéissance civile, puisque ce n'est pas parce qu'une loi a été adoptée qu'elle serait légale, et que nous espérons que le Conseil constitutionnel invalide cette loi qui, sur le principe de nécessité, de proportionnalité, d'autres textes prévoient des poursuites dans ce sens dès lors qu'il y a menace sur les réseaux sociaux. Plusieurs articles dans le Code pénal le prévoient. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que cette proposition de loi, c'est une réponse directe à l'application qu'on a créée, et qu'aujourd'hui, cette proposition de loi, elle atteint tout le monde, mais au-delà de la liberté d'informer, c'est ceux qui vivent dans les quartiers populaires, c'est ceux qui subissent la répression au quotidien, noirs, arabes, roms, pauvres, migrants, là où les caméras dysfonctionnent dès lors qu'il y a violence policière, comme dans l'affaire de Théo, comme de nombreuses affaires, et qu'aujourd'hui, ça concerne vraiment tout le monde, mais plus les quartiers où les caméras seront défaillantes, où les policiers connaissent où ces caméras sont placées, emmènent les jeunes sous les porches pour les tabasser, pour des passages à tabac en règle. Donc on en est là, et que cette loi, elle n'a qu'un objectif implicite, c'est à ce que les gens renoncent à voir ce qu'ils voient, en fait, de façon à ce que aujourd'hui les gens, quand ils passent dans la rue, quand ils assistent à des violences policières commises sur une personne, qu'ils continuent leur chemin, en fait, tout simplement, de façon à les terroriser, de façon à se dire que derrière le fêté, c'est un acte presque citoyen de prendre maintenant son portable et de filmer. C'est aussi la réalité qu'on pourra être mis en garde à vue selon que le policier ait décidé, se dise, il y a une intention de nuire. Donc voilà, donc cette proposition de loi, elle est assez floue. Moi, j'ai suivi le débat à l'Assemblée nationale. Et on voit bien que Gérald Darmanin, là, il est vraiment coincé. Et ce qu'on espère, c'est que il y a la navette, que le Conseil d'État va valider, que le Sénat également, que le Conseil constitutionnel également, et qu'on espère que cette loi ne sera pas promulguée. Et si c'était le cas, en tous les cas, moi, j'en appelle à la désobéissance civile, et que tout le monde puisse sortir sa caméra, parce que sortir sa caméra, c'est aussi éviter
que des gens meurent, c'est aussi éviter l'escalade de la violence. Et nous, on le voit bien avec toutes les vidéos qu'on reçoit tous les jours. On sent bien que dès qu'ils sont filmés, ces policiers, le comportement, il est différent. Donc, notre seule arme face à eux, c'est cette caméra. Mais moi, je voulais vous lire un passage pour en revenir à la discrimination et au racisme au sein même de la police. Donc, j'ai participé à un ouvrage collectif qui s'appelle « Police », où plusieurs personnes ont contribué à cet ouvrage. Donc, où je dis « Le combat collectif permet de donner beaucoup de sens à ces événements malheureux, mais la violence inouïe qu'un agent peut exercer lorsqu'il effectue une clé d'étranglement. Jusqu'au dernier soupir de sa victime, ou lorsqu'en voiture, il percute sciemment un jeune pris en chasse, ou encore lorsqu'un policier porte plainte contre celui qui l'a mutilé, ou lorsque sa hiérarchie manœuvre pour le blanchir. Tout cela reste impensable, même pour les militants les plus chevronnés et les plus informés. Faute de mieux, nous parlons de racisme d'État, d'islamophobie. Nous soulignons les généalogies coloniales des pratiques et des institutions policières. Mais au fond, rien ne permet d'expliquer que la police se montre si irréformable. Alors que ces accès de fureur sont finalement dérisoires, si on les compare à la mécanique froide et bien huilée, des discriminations à l'embauche, du chômage dans les quartiers, de la lutte contre la drogue et l'incarcération de masse. Violences qui font bien de vagues et organisent la ségrégation avec bien plus d'efficacité. Avant d'être lâchement tué, Amine, mon frère, avait déjà été largement abîmé par ce système. D'ailleurs, le nom qui servait à le désigner en prison quand il était en Hesse, c'est qu'il n'avait rien et qu'il sollicitait ses co-détenus pour qu'il le dépanne, en portait la marque indélébile, la crise. Si dans les quartiers, nous portons la crise, comme d'autres portent leur croix. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai écrit dans l'ouvrage Police, vous pouvez vous procurer, c'est aux éditions de La Fabrique. Et c'est important qu'on laisse des traces, c'est important qu'on se batte et qu'on continue. C'est toujours avec beaucoup d'émotion que j'aborde ce sujet, parce que même avant, 9 ans après, même en ayant obtenu la justice, je me dis que on a chacun de nous un rôle à jouer. Et comme le dit la petite histoire du colibri, chacun doit faire sa part. Et je pense que j'ai fait ma part et que je continuerai à faire ma part, mais qu'on doit tous faire notre part. Merci Amal. Mais quand on entend toi, Ayoub, y a beaucoup d'espoir en tout cas. Alexis, Selma, par rapport au fait de plaider la question du racisme dans ces violences-là, parce qu'on a notre point de vue militant, mais est-ce que d'un point de vue d'avocat, même si ça foire aujourd'hui, est-ce que stratégiquement, des familles de victimes, qu'est-ce que vous leur répondrez s'ils disent « je veux que le caractère raciste du crime soit reconnu » Comment on fait aujourd'hui? Moi, je le plaide systématiquement parce que je m'estime militante avant d'être avocate. Mais la question, c'est pas est-ce qu'on ose le plaider, c'est est-ce que le juge nous entend? Et j'ai l'impression que c'est un véritable dialogue de sourds. Les juges ne croient pas au racisme structurel. Ils ont vraiment la position du dominant qui sont « mais moi, je ne suis pas raciste, j'ai un ami noir et je comprends pas ce qu'on aime pas ». Et c'est vraiment… Et plus on essaye, plus on se heurte à de l'agressivité même. Donc, toutes les fois où j'ai invoqué le racisme structurel, même des fois où c'est flagrant, ça n'a pas été entendu. Encore… Lundi dans le dossier de Maouda, je l'invoquerai, il n'aurait jamais été traité comme ça euh, si,
s'ils n'avaient pas été des migrants. D'abord, le policier n'aurait jamais tiré dans un véhicule si c'était des Belges qui conduisaient, même s'ils faisaient un délit de fuite. On n'abat pas les gens. Je me souviens à un moment, Nordine, tu t'es amusé, enfin je ne sais pas si le mot amusé est correct, mais tu publiais tous les articles où on parlait de gens qui avaient fait du 170 km à l'heure sur l'autoroute, du 184 km à l'heure sur l'autoroute et qui ne s'étaient pas fait tirer dedans. Là, la camionnette, elle roulait à 90 km à l'heure. Hein. C'est pas non plus, si elle était partie, ce serait rien passé. Et donc, déjà, ils n'auraient pas tiré, mais en plus, ils n'auraient jamais traité les gens comme ils les ont traités. Dans le dossier, je vais juste vous donner un exemple, il y a des échanges radio dans lesquels les policiers se parlent, et à un moment, il y en a un qui dit à l'autre, la petite, elle ne bouge plus, on dirait un sac poubelle. Est-ce que quelqu'un compare le corps d'un enfant à un sac poubelle? S'il n'est pas odieusement raciste? Ben non, non, c'est juste pas possible. Mais si ils en parlent comme ça à la radio, si c'est leur langage pour parler des enfants des autres, eh bien ça n'est pas étonnant qu'une violence pareille soit possible. Ils ont commencé dans leur tête à totalement déshumaniser ces gens, au point qu'ils n'ont plus d'empathie, comme l'empathie normale qu'on a vis-à-vis d'un autre être humain. Parce que sinon, on tue un enfant, on trouve que c'est une catastrophe. Le fait qu'entre eux, ils arrivent à utiliser des termes pareils, ça démontre un racisme structurel indéniable. Donc moi, je veux le plaider, c'est sûr, mais je ne suis pas sûre d'être entendue. Pour compléter ce que Selma vient de dire très bien, comme toujours, c'est qu'effectivement, on peut plaider la circonstance aggravante du racisme. Moi, je ne le fais pas toujours, et je le fais de temps en temps. Je l'ai fait pour ce jeune migrant soudanais qui s'était fait arrêter par la police à Bruxelles, embarqué dans la camionnette et droppé dans un coin sombre près du canal. Et avant de le pousser de la camionnette, ils sont redescendus de la camionnette, le chef d'équipe l'a gazé dans le visage à bout portant, et ils sont partis. Eh bien, devant le juge, j'ai plaidé des coups et blessures volontaires avec la circonstance aggravante de racisme et de mépris. Parce que jamais, mon fils a quasiment le même âge, jamais la police aurait agi de la même manière avec mon fils qui est blanc. Jamais. J'en mets ma main à couper. Et le juge ne m'a pas suivi. Le policier a été condamné à un an de prison. Bon, il a été en appel, on va plaider en 2022. Hein. Ça, c'est le problème de la cour d'appel à Bruxelles. Mais dans le dossier de Lamine, ce dossier, moi, quand je lis le dossier, quand je lis les déclarations des policiers, ils sointent le racisme. Je me suis posé la question, est-ce que je vise la circonstance aggravante de racisme, alors qu'ils ont tout perdu devant le premier juge qui n'a même pas voulu reconnaître les coups et blessures? Est-ce que je vais charger la barque en disant, non seulement vous devez reconnaître les coups et blessures volontaire et entraîner la mort sans l'intention de la donner, mais en plus viser la circonstance aggravante, comme le disait Selma, je suis sûr que les juges ne vont pas me suivre là-dessus parce qu'ils ne comprennent pas, ce n'est pas leur réalité. Or, je suis certain que si Lamine avait été blanc et pas d'origine guinéenne, eh ben, il ne serait pas mort, il ne serait pas mort entre les mains des policiers, ils n'auraient pas agi de la même manière. J'ai visé le mépris. Alors, c'est peut-être un peu petit joueur de ma part, de ne pas avoir visé le racisme. J'ai été très pragmatique. Il y a peut-être des policiers qui nous écoutent en Facebook Live, mais je me suis dit, l'important, c'est d'obtenir le renvoi devant le tribunal. Et il ne faudrait pas qu'en crispant le président de la Chambre des Mises, je perds sur le plus important, c'est le procès public. Alors, je ne sais pas si c'était le bon choix. Parfois, il faut prendre des décisions. Mais voilà, dans le dossier d'Adil, la mort d'Adil, c'est mes enfants et ma fille notamment qui m'a interpellé avant même que la famille d'Adil me contacte pour les défendre, pour les assister. Une de mes filles m'a dit à table, c'était le samedi soir, il était mort le vendredi soir, en disant, mais papa, c'est horrible, Mehdi,
Et puis hier soir, Adil, c'est toujours nos amis marocains, d'origine marocaine, pas nos amis marocains, nos amis d'origine marocaine. C'est pas à nous que ça arrive. Les contrôles à la place du conseil à Anderlecht étaient beaucoup plus intensifs et violents, les contrôles Covid. Et c'est pas moi qui le dis, c'est mes enfants en blanc, que les contrôles au parc du Cinquantenaire ou au bois de la Cambre. La jeunesse de ce côté-là de Bruxelles, privilégiée à tout niveau économiquement déjà, est aussi privilégiée au niveau des contrôles de police. Par contre, de l'autre côté du canal, là, on y va, hein, tolérance zéro, avec les conséquences qu'on connaît. Et donc, effectivement, je pense que, comme pour l'affaire et la mort dramatique de Maaudin, on peut parler de racisme institutionnel. Avant le coup de feu, cette course-poursuite, tout à fait déraisonnable, c'est la conséquence de l'opération Medusa, c'est la conséquence du discours politique de haine de ce ministre de la Sécurité, c'est comme ça qu'il se faisait appeler, plus ministre de l'Intérieur, il a changé son titre, Yann Yambon, repris en boucle par ce secrétaire, ce sinistre secrétaire d'État à l'asile et migration, qui a percolé, rejailli sur des policiers qui pensent qu'il faut y aller. Et cette soi-disant lutte contre les trafiquants d'êtres humains vantée par notre Premier ministre à l'époque, Charles Michel, s'est transformée dans les faits à une chasse aux migrants. Pendant le coup de feu, Selma l'a dit, je ne vais pas être trop long, ils n'auraient pas tiré si ça n'avait pas été une camionnette avec des migrants. Point. Et après le coup de feu, alors que c'est déjà trop tard, évidemment, Maaudin va mourir, mais imagine-t-on un autre cas similaire où on va empêcher une maman d'accompagner sa fille mourante dans l'ambulance, mais qu'on va plutôt la menotter et l'embarquer pour la mettre en cellule alors que sa fille part toute seule et mourra toute seule dans cette ambulance. C'est parce que c'est des Kurdes, c'est parce que c'est des migrants, c'est pour ça que ça s'est passé comme ça. Et donc ça, c'est du racisme institutionnel, il n'y a pas d'autre mot. Et ils n'aiment pas qu'on utilise ce mot-là, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et qu'est-ce qu'on fait dans tous ces dossiers? C'est que pour que la population ne se révolte pas, parce que tout le monde n'a pas la chance de lire les articles que Michel écrit, mais pour que la population accepte ça, on fait passer des versions adoucies. Ou finalement, et je vois ça même dans mon cercle amical ou familial, oui mais Alexis, qu'est-ce que Adil avait fait avant? Pourquoi il a pris la fuite sur sa mobylette? Ce ne serait pas arrivé. Et ce sont des gens intelligents qui disent ça. Mais c'est parce qu'ils lisent quelques petits articles des dépêches belgas qui sont pris par tous les médias. Et Lamine, s'il était sorti de son appartement, il ne serait pas mort. Et Mehdi, s'il ne s'était pas encouru, s'il n'avait pas traversé la rue sans regarder, ce ne serait pas arrivé. Et je pense que c'est peut-être aussi un réflexe de monsieur et madame tout le monde pour accepter l'inacceptable. C'est peut-être une méthode de protection, je ne suis pas psy, mais on endort son propre cerveau en disant, parce que sinon c'est trop horrible à affronter en face, hein, de se dire, mais oui, les parents de Maaudin, s'ils n'avaient pas emmené Maaudin dans la camionnette, ben, ce ne serait pas arrivé, oui. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont fait ça, ils n'avaient peut-être pas le choix, hein, on va revenir sur le parcours des migrants, mais après toute cette histoire, c'est quand même la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés qui a dû se mobiliser pour accueillir la famille de Maaudin, parce que les pouvoirs publics n'étaient même pas capables de réparer leurs fautes en faisant le strict nécessaire pour qu'ils aient un toit, pour qu'ils puissent commencer leur deuil, si c'était possible, et organiser les obsèques. Le racisme d'État continue encore à ce moment-là. Et donc, on endort cette population et les citoyens, parce que sinon, on se révolterait. Et c'est pour ça, et je terminerai là-dessus, et Nordine, tu as parlé de la mobilisation citoyenne. Je crois qu'elle est essentielle. Et avec les causes de manière transversale, parce qu'on a vu ce soir les similitudes dans toutes ces histoires. Mehdi, Adil, Lamine, Maouda, et on peut continuer. Il y a des similitudes. Et on voit bien, et dans le dossier de Lamine, la justice était prête à enterrer le dossier. Alors, on ne va peut-être pas réussir. La justice va peut-être enterrer le dossier. Mais par contre, avec une mobilisation citoyenne et avec une médiatisation, on va mettre la pression sur ce service public justice. N'oublions pas que c'est un service public qui est là pour les citoyens, pour rendre justice. On va mettre la pression pour que ces juges fassent leur boulot,
et que s'ils décident de ne pas le faire, eh bien qu'ils puissent plus regarder dans un miroir le soir en se disant « aujourd'hui, j'ai bien fait mon boulot ». Et ça, on va s'y mettre ensemble, les avocats, les collectifs citoyens et les journalistes motivés pour dire « on ne veut plus ça ». Parce qu'on ne veut plus des petites maoudas qui se font tirer dessus par la police. On ne veut plus des jeunes d'origine étrangère qui, à Bruxelles, au contrôle au faciès. Parce qu'ici, on parle de tous les cas où il y a eu des morts, mais il y a eu des cas où c'est des violences physiques, psychologiques, c'est le mépris, c'est le racisme. Comment est-ce qu'on peut construire cette société ensemble si on a la police qui agit de cette manière-là? Je termine avec l'article 1er de la loi sur la fonction de police. C'est la plus belle job description au monde. C'est permettre aux citoyens, quels qu'ils soient, de jouir de leurs droits et libertés dans l'espace public. J'ai l'impression qu'il y a trop de policiers qui commencent la lecture de la loi sur la fonction de police à l'article 2, qui relie cet article 1er. Ils ont un service à rendre au public. C'est un beau métier, ce n'est pas un métier facile, mais ceux qui n'agissent pas bien insultent l'ensemble de cette profession parce qu'il y a des policiers qui font bien leur boulot. Et donc, il faut mettre fin à l'impunité, il faut mettre fin à cette violence policière dans l'intérêt des citoyens, mais aussi dans l'intérêt de la police elle-même, pour que les citoyens puissent avoir confiance dans cette police. Et moi, je comprends quand j'entends Ayoub que ces jeunes à Bruxelles, ils n'ont plus confiance dans cette police. Il y a trop d'histoires. Ils ont peur, ils se méfient et ils s'encourent. Mon fils, il ne s'encourt pas quand il voit la police parce qu'il n'a pas de raison de s'encourir. Mais pourquoi eux ont ce réflexe de s'encourir? C'est parce qu'il y a eu trop d'histoires, trop d'injustices. Et ça, il faut pouvoir le dire et ils doivent pouvoir l'entendre. Très, très grand merci pour vos interventions qui sont vraiment très riches. Le racisme d'État se perçoit justement dans ce type de politique de poursuite, des contrôles, des non-lieux. Donc, vraiment, on le perçoit, comme je l'ai dit tout à l'heure au début de la soirée, on n'est pas là pour objectiver des choses qu'on sait sûres. Aujourd'hui, on est là pour s'organiser aussi. Je vois que vraiment, on avance vers ça. Je reviens sur une question qui a été posée hier, mais qui m'a intéressé, donc je vais la poser là maintenant. C'est comment est-ce que le travail de Michel Bouffioux et du comité peuvent influencer les instances institutionnelles? Donc, on a entendu Alexis qui appelle à la mobilisation militante, mais également des avocats. On entend très bien Ayoub et Amal qui travaillent constamment à ça. Mais je vais commencer par toi, Michel, parce que tu as levé le doigt, si j'ai bien vu. Donc, oui. Voilà comment ton travail et celui du comité peuvent influencer les instances. J'ai du mal à répondre à cette question. Très franchement, je me pose souvent des questions sur l'influence que l'on a sur la réalité en tant que journaliste. Ce n'est pas toujours évident, mais je pense que bon, dire les choses, c'est toujours utile. Bon, voilà, c'est parfois un peu une bouteille à la mer. Comme l'a dit Alexis tout à l'heure, tout le monde ne lit pas ces articles-là. C'est des articles longs aussi. Peut-être que c'est un ensemble, je pense qu'il y a un ensemble de personnes qui peuvent faire passer l'information par des canaux différents, et je trouve que c'est bien avec toutes les initiatives citoyennes qu'il y a maintenant, par exemple autour de Maouda. Mais j'aurais bien aimé poser, en fait, si je peux me permettre, c'est pas pour faire dévier le débat, parce que je pense que c'est une question qui est dans le débat aussi, poser une question aux deux avocats, donc à Maître Ben Khalifa et à Maître De Soi. Et qui est la suivante, parce que tout à l'heure, Alexis a dit, bon, il faut qu'il y ait un procès pour qu'il y ait de la justice. Et ça, je suis bien d'accord qu'une affaire doit se terminer par un procès public où on expose tous les faits, toutes les charges. Je pense que c'est très important. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans toutes ces affaires, souvent un piège aussi pour les justiciables, dans la mesure où on constate que le procès qui est fait sur un certain nombre de faits seulement. C'est-à-dire que quand le dossier arrive au tribunal, c'est peut-être pas tout le dossier. On voit très bien ça dans le dossier Maouda, qu'il y a
toute une partie des faits qui ne sont, vont même pas être abordés. Il y a toute une partie de personnes qui sont responsables de mensonges, qui, à mon avis, peut-être qu'il y aurait pu avoir des poursuites pénales, et qui échappent même au récit de l'affaire qui va être fait par le ministère public devant le tribunal. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas, dans un certain nombre d'affaires, un problème qui s'oppose, et je pense que ça se pose notamment dans l'affaire Maouda, un moment d'être presque en rupture, de se poser presque en rupture par rapport à un tel processus qui cadenasse la vérité, c'est-à-dire qu'on va discuter d'un nombre de choses limitées et de pas toutes les choses qui se sont passées dans le dossier. Donc, voilà. Et donc, est-ce que quand on n'aborde pas tous les faits, par exemple, dans l'affaire Maouda, est-ce qu'on sait par avance que, de toute façon, ça ne se limite pas à la question du policier qui a tiré, qui devait tirer ou qui ne devait pas tirer, comment il a fait, etc. Il y a plein d'autres questions qui se posent. Est-ce que, quelque part, on ne sait pas par avance que ce procès ne rendra pas vraiment justice? Voilà. C'est une question que je voulais poser aux avocats. Ah, tu veux commencer? Oui, je peux. Moi, je pense que la justice, c'est pas au palais de justice qu'on la trouve. La justice, c'est beaucoup plus large que ce qui va se passer au palais de justice. Au palais de justice, on va déterminer si l'intervention était légale ou pas, et si elle est illégale, quelles sont les dispositions du code pénal qui ont été violées. C'est ça l'objet du procès. Tout le processus, toute la question migratoire, les responsabilités par rapport à Médusa, les responsabilités politiques, le procès n'est pas là pour les déterminer. C'est pour ça que dès le départ, le comité, par exemple, avait cette double demande qui est un procès d'une part et qui est une enquête parlementaire d'autre part. Puisque normalement, c'est au Parlement de déterminer les responsabilités politiques de l'exécutif. Si des ministres, secrétaires d'État, au niveau de l'exécutif, s'il y a eu des manquements, et il y a eu des manquements, c'est au Parlement de les déterminer et de les sanctionner. Maintenant, il y a aussi des choses que, voilà, le juge d'instruction limite son instruction à certaines choses, et ça, on va le dénoncer. Par exemple, le juge d'instruction voit, parce que c'est dans le dossier répressif, que des policiers ont menti. Normalement, un faux PV, c'est une infraction. Le procureur qui voit une infraction doit la poursuivre. Et ils ont la politique des poursuites, et leur politique des poursuites, c'est de ne pas poursuivre ce type d'infraction. Ça, on va le dénoncer. Mais comme c'était abordé avec le début de la question de Nordine, il y a aussi la question de savoir que pour obtenir justice, il faut qu'il y ait de la pression citoyenne. Le fait que les choses soient connues, qu'il y ait de la pression citoyenne, qu'on voit que ça ne passera pas crème si on ne le fait pas, eh bien, ça pousse à ce que la justice puisse aller plus loin. Mais on le constate, quand il n'y a pas de pression, ça n'est pas connu du grand public, quand il n'y a rien, eh bien, c'est juste un non-lieu. Il faudrait qu'il y ait un jour une étude sur le nombre de non-lieux qu'il y a pour des violences policières par rapport au nombre de non-lieux qu'il y a dans d'autres types de situations. Eh bien, la question donc que se posent les juridictions d'instruction pour déterminer s'il y a un non-lieu ou pas, c'est les charges suffisantes. Eh bien, la charge qui sera suffisante pour vous et moi, eh bien, elle n'est pas la même que la charge qui sera suffisante pour envoyer un policier. Pour un petit gars, particulièrement s'il est racisé, eh bien, pour un petit gars, on a une charge suffisante bien moindre, on estimera qu'il y a des charges suffisantes pour le renvoyer devant le tribunal correctionnel. Alors que pour un policier, il faut qu'il y ait des charges énormes, il faut quasiment qu'il y ait une preuve définitive de sa culpabilité déjà à ce stade pour qu'il soit renvoyé devant le tribunal correctionnel. Et cette différence-là, elle n'est pas légale.
Et les juges le font, je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils sont mal formés, parce qu'ils sont d'accord avec cette injustice. Je ne sais pas expliquer pourquoi, mais ces juges font cette différence. Un policier n'est pas traité comme un autre justiciable. Par contre, quand il y a une pression, eh bien, les juges changent un peu leur fusil d'épaule. Donc, cette pression citoyenne est très utile, mais quand même insuffisante pour obtenir une vraie justice. Ce qui serait intéressant, ce serait vraiment qu'il y ait à un moment des universités qui prennent le temps de faire des sortes de cliniques du droit, des sortes de procès d'opinion dans lesquels on leur donnerait les mêmes dossiers et on verrait avec des juges retraités, avec le même dossier, ils arriveraient au même résultat que les juridictions. Moi, je suis sûre que non. Pour compléter ce que dit Selma, sans redire ce qu'elle a déjà dit si bien, effectivement, je pense que ta question est tout à fait pertinente, Michel, c'est que quand on obtient le fait qu'il y ait un renvoi vers le tribunal correctionnel, et donc qu'il y a un procès, et qu'on considère déjà comme une petite victoire, ce qui en fait n'est que normal, mais la situation est telle que si dans le dossier de Lamine, si dans le dossier d'Adil, on obtient qu'il y ait un procès correctionnel, ce sera une victoire. J'ai du mal à utiliser ce mot parce que je trouve que ce n'est que l'évidence même et que si c'était des violences envers les policiers, ça ne se discuterait même pas qu'il y ait un procès public. Et donc, ce deux poids deux mesures m'écœure. Mais quand il y a le renvoi correctionnel, on voit déjà de manière assez frustrante immédiatement, et Selma l'a dit pour l'affaire Maouda, mais c'est que les personnes qui sont poursuivies sont peut-être, la liste n'est pas complète, il y a des petits absents, des policiers, il y a des grands absents, le ministre de l'Intérieur, le secrétaire d'État Asile et Immigration, qui pourraient avoir leur place sur le banc des accusés, si on rendait de la justice de manière complète. Peut-être que le policier, il aurait pu mettre à la cause son ministre en disant « c'est vous qui nous faites faire ça ». Mais peut-être que son avocat n'a pas voulu faire ça, parce qu'on fait partie du système, on ne se mange pas entre soi et on ne va pas bousculer tout. Mais ça aurait été une belle défense audacieuse de la part du policier de mettre à la cause son commissaire en chef, le ministre. Moi, je vois aussi dans l'affaire de Lamine, il y a les 8 policiers qui étaient sur place, qui sont cités, pour lesquels tout le monde dit dans la justice, le procureur et la chambre du conseil, il n'y a pas de crime ou délit, il n'y a surtout pas de charge suffisante pour justifier un procès correctionnel. Mais s'ils avaient fait correctement leur travail, déjà, la liste aurait dû être plus longue. Le commissaire en chef de la zone qui propose une réunion de débriefing où ils vont se rendre coupables de collusion de fonctionnaires, il aurait dû être aussi sur cette liste et renvoyé devant le tribunal. Et donc, on doit finalement se contenter de cette petite victoire quand il y a un renvoi correctionnel, avec la grande frustration de se dire toutes les personnes qui devraient s'y trouver ne s'y trouvent pas, et les préventions qui devraient être retenues ne le sont pas non plus. La circonstance aggravante de racisme, voilà. Et ça, je pense que, bon, c'est l'illustration que la justice est très imparfaite, mais qu'au moins, même de manière imparfaite, déjà rendons cette justice. Et on n'est même pas capable de faire ça, quoi. On n'obtient même pas ça dans beaucoup de cas. Et donc, voilà, le retard à rattraper pour pouvoir rendre justice dans ces affaires-là, il est énorme. Donc, voilà, ça ne répond pas tout à fait à ta question, je suis désolé. Et alors, on doit se contenter d'un minimum, quoi. Voilà, effectivement. Et malheureusement, je ne peux pas rester avec vous plus longtemps, et donc sans vouloir, mais je dois, malgré le débat est passionnant, mais je dois vous quitter malheureusement. À très bientôt, bonne continuation, et Selma, on est avec toi lundi pour ce procès, que tout se passe bien, dans la mesure du possible, mais on te soutient et tu fais un travail
formidable. Bonne soirée, merci, à bientôt. Merci à toi, Alexis, qui fait aussi un travail formidable. Et on est avec toi pour la famille de Adil, la famille de Lamine. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci à tout le monde pour toutes ces interventions très riches. Je vois qu'il est, si ça ne tenait qu'à moi, on resterait toute la nuit. Je vois qu'il est 20h, donc ça me permet… Non, Michel, je ne t'oublie pas. Non, mais ce n'est pas obligatoire. Hein. Moi, comme on l'a dit, ça sera enfin. Donc, c'est vraiment un bonus à qui j'invite vraiment tout le monde à rester. Mais ça sera enfin comme une super conclusion, il me semble. Néanmoins, j'aimerais bien enchaîner sur en fait, les prémices de ce qui devra obligatoirement se faire à un moment ou l'autre. C'est la question de l'organisation. Quand j'ai en face de moi Ayoub, Amel, mais aussi Michel, Alexis et Selma, je me rends compte aussi du potentiel qu'il y a. Donc, je viens avec une touche un petit peu internationale, si je peux dire. Pour moi, c'est quelque chose qui est dans ma tête depuis de nombreuses années. Je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de le dire à Amel ou à Ayoub, mais ça ne m'étonnerait pas que oui. La question des violences policières, mais quand je dis ça, pour moi, c'est directement la question des violences policières spécifiquement, en fait, sur la question des Noirs, des Arabes, des Roms, des présupposés musulmans, ne s'observe pas, n'est pas constatée juste en Belgique, juste à Bruxelles. On voit ici que c'est également le cas en France. Mais on sait aussi que c'est le cas également aux Pays-Bas, en Allemagne, en Angleterre, on l'a vu aux États-Unis. Donc moi, la question que j'ai envie de poser à Amel, à Ayoub, mais à nous tous en fait, mais principalement à Ayoub et à Amel, qui ont directement, après le drame qu'ils ont vécu, Ayoub organisé, en fait aussi, si je me trompe, un militant par accident. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui réfléchit habituellement à comment organiser une manifestation pour un drame, d'autant plus que celui de la mort de son frère, Amel également, qui, comme je l'ai dit, a une vie tout à fait normale jusqu'à ce qu'il y ait un accident dramatique. Donc, Amel et Ayoub qui s'organisent très vite, Selma aussi qui l'a dit avec... les Kurdes qui sont une communauté organisée, donc qui s'organisent eux-mêmes directement, et c'est aussi grâce à eux qu'on est au courant de l'affaire. Donc, ils ont une pratique des dictatures un peu plus ancienne que la nôtre. En tout cas, ils ont un bon sens de l'organisation. Mais c'est une question d'habitude, c'est une habitude culturelle. Et donc, on va se servir de l'habitude culturelle de la famille du mouvement kurde, de Mehdi, de Amel, qui s'organise très vite à organiser des marches, une contre-enquête, un collectif, je l'ai dit, Urgence Notre Police Assassine. Pour Ayoub, c'est le collectif Justice pour Mehdi. Donc, selon vous, est-ce qu'à un certain moment, il ne serait pas pertinent pour nous de nous organiser aussi, vu qu'on sait que demander à la justice de son propre pays, on n'y croit pas trop en fait, mais ça fait partie du combat pour la justice et la vérité. Mais un moment de pouvoir capitaliser nos forces en France, en Belgique, mais d'autres collectifs existent en Europe, pour avoir une structure, si je peux dire comme ça, qui lutte contre les violences racistes de la police au niveau européen. Et donc, moi, j'ai ça en tête depuis de longues années et je vais pas mentir. Ce que j'ai toujours dit à ceux à qui j'explique ça, c'est moi, je ne vois pas qui pourrait faire ça à part Amel Bentounsi. Donc, voilà. On t'entend pas, Amel. Ben écoute, merci pour cet éloge. Je suis désolée, il y a les enfants qui mangent en même temps, donc c'est un peu compliqué. Je suis maman et c'est
c'est l'heure de la pizza. Ce soir, on a fait pizza. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut que les familles puissent s'organiser, trouver de l'énergie. Donc, je pense que nous, familles qui avons déjà vécu ça à travers nos histoires, le collectif, c'est qu'on est un moteur pour toutes ces familles qui ont beaucoup de difficultés parce que c'est pas dans notre culture en fait, et ça c'est vrai de sortir dans la rue, de brandir des pancartes. Et souvent moi j'ai entendu dire c'est le mektoub, mais au-delà du mektoub, quand on est face à autant d'injustices et qui se répètent et dans les années, et on se dit qu'on ne peut pas ne pas construire quelque chose pour laisser des traces, mais aussi pour que ça change. Donc, à un moment donné, bien évidemment que le collectif Urgence Notre Police Assassine a fait pas mal de choses qu'on a fait très, très peur à un moment donné, puisqu'on était en contact avec beaucoup, beaucoup de gens, mais que au-delà du collectif, il faut que toutes les familles puissent s'organiser, qu'il y ait une instance internationale pour la question des violences policières, pourquoi pas. Mais ce qui est certain, c'est d'abord la détermination de ces familles. Et moi, je m'en suis rendu compte, vous savez, on n'est pas tous logés à la même enseigne, on n'a pas tous la chance de pouvoir aller militer, d'être disponible. Il y a des familles qui le sont, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Mais quand celles qui ne le peuvent pas, ne pas hésiter à prononcer le nom des familles de victimes. Et c'est pour ça que pour nous, le collectif, il est important plutôt que l'individualisation de la lutte au nom d'une seule et même personne. Parce que ce qui fait la force, c'est d'être ensemble, tous ensemble. Après que chacun, on ait notre nom, c'est important pour la mémoire de nos morts, c'est important pour ne pas invisibiliser le nom de nos morts, parce que les familles en ont besoin, parce qu'à travers ce combat, c'est aussi une thérapie en fait, c'est ça qu'on ne dit pas aussi, c'est que ce combat, on le mène aussi pour nous soigner de cette injustice, nous soigner du deuil, nous soigner de cet être qu'on a perdu. Donc il faut qu'il y ait des gens bienveillants. On n'est pas là pour briller, on n'est pas là pour la lumière. Et malheureusement, c'est ce qui se passe dans certains mouvements, au-delà des violences policières, mais dans tous les mouvements, c'est qu'à un moment, on s'égare. Et quand on s'égare, c'est plus les mêmes objectifs qui sont atteints. Donc, il faut bien se rappeler pourquoi on est là. Donc, on veut la justice pour nos proches. Mais ce qu'on veut, c'est changer les choses, s'organiser pour que demain, nos enfants et nos petits-enfants n'aient plus à subir. Et se dire qu'à un moment peut-être donné, dans quelques années, peut-être nos enfants nous reprocheront de n'avoir rien fait à ce moment-là. Et c'est ça, moi, dont je n'ai pas envie. Et c'est pour ça que je ne m'arrête pas. Et c'est pour ça que malgré la condamnation, parce que la question elle s'est posée, qu'est-ce que je fais? Je continue, je ne continue pas. Mais ce combat, il est tellement fort, tellement sincère pour moi que je n'ai pas le choix que de continuer. C'est la suite logique pour moi, le fait de reprendre mes études, le fait de me battre, parfois me battre contre les miens, parce que malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des histoires d'ego aussi, et que on doit s'organiser malgré tout ça, et qu'on doit ne pas oublier l'objectif. Notre objectif, c'est qu'on veut la justice, qu'on réclame la justice, mais qu'on nous rende la justice et qu'on nous rende notre dignité. Et ça, c'est le plus important. Donc voilà, donc nous, on est juste un moteur qui a commencé il y a quelques années avec d'autres familles. On essaie de donner de la force, mais qu'on n'est pas là pour être sous un drapeau,
quoi que ce soit, mais que ce combat, on le porte dans notre cœur, qu'on le vit tous les jours depuis des années. Il y en a qui se sont usés, hein, parce que je pense aussi aux militants qui étaient là avant nous. Il y a des militants qui n'ont pas forcément perdu de proches et qui militent, qui sont là. Et ça, je n'oublie pas tous ces gens qui nous ont partagé leur expérience, qui nous ont soutenus. Et moi, quand je pense à tout ça, c'est, je me dis, il y a vraiment des belles âmes sur Terre et qu'on réussira à faire quelque chose qu'avec beaucoup de bienveillance et l'amour pour les neutres. Voilà. Merci beaucoup, Amel. T'es, comme tu l'as dit, un moteur pour beaucoup. Tu fais vraiment du bien à tout le monde et c'est de là qu'on a besoin plus d'Amel, plus de Ayoub, que tous les deux, vraiment, je vous trouvais exceptionnels pour la simple raison, en fait, que l'un et l'autre, vous avez toute la légitimité, tout le droit de lutter pour la vérité et la justice de votre frère. Mais aucun de vous deux que je connais n'est dans cette optique-là, bien entendu. Il veut la vérité et la justice pour son frère. Mais les deux, vous avez cette capacité à avoir vu, ou en tout cas la volonté de mettre en... Ce n'est pas mon frère, c'est nos frères, tout en étant conscient qu'il y en a d'autres et vous ne lâchez pas. Je sais, Mehdi, c'est à toi que je donne la parole là maintenant par rapport à ce que dit Amel. Je sais que la difficulté dans laquelle tu es, toi, ta famille, à devoir subir en fait ce climat d'avoir perdu un proche, mais je sais aussi que tu as une bienveillance de fou envers les autres familles, que tu prends contact avec chacun des autres familles de victimes qu'on connaît, que tu leur proposes de s'organiser, que vous vous réconfortez l'un et l'autre. Donc là, maintenant, moi, un petit peu extérieur à tout ça, de demander qu'en est-il de l'organisation, qu'est-ce qu'on peut faire, les gens qui sont en dehors de ça. Voilà, mais Ayoub. D'accord. Ben, merci déjà pour le compliment. Mais oui, nous, ce qu'on fait, enfin, en tout cas, moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'essayer un peu de se rejoindre en fait par rapport à ça, parce qu'il faut savoir que bon, nous, on l'a vécu l'année passée par rapport au fait que mon frère il a été tué par une voiture de police, mais nous, on s'est retrouvés seuls en fait, vite du jour au lendemain. Vous avez beaucoup de gens qui viennent vous voir, c'est des journalistes ou je ne sais pas quoi, mais on se retrouve seul dans cette épreuve. Et je pense que le fait de faire des liens et le fait de se réunir et de s'organiser entre nous, ben, ça permet en fait de ne pas se sentir seul. Quand je dis de s'organiser entre nous, je parle entre les familles. Déjà rien que de, quand je dis de s'organiser, c'est même, peut-être même pas d'un point de vue juridique, c'est juste de se voir, de parler, d'échanger. Quand vous savez que la personne en face, elle a vécu la même chose que vous, ben, c'est totalement différent. Et ensuite, dans un deuxième temps, fédérer les causes, parce qu'il y a des gens qui militent pour les mêmes causes, mais ils portent juste des noms différents en fait. Et je pense que le fait de s'organiser et le fait de... Que voilà qu'un collectif qui réunit toutes les familles, c'est intéressant du fait que si maintenant demain il arrive quelque chose à quelqu'un, ben nous on peut aller chez cette personne et voilà, il peut avoir un premier contact avec cette personne et comment on est, parce que nous on a vécu la situation déjà d'un point de vue humain et puis en dehors de ça avec les militants qu'il y a autour d'un point de vue engagé. Et c'est clair que c'est un besoin en fait, c'est un besoin clairement qu'il y a, parce que comme je disais auparavant, il n'y a pas de service d'aide aux victimes clair ici, qui aide vraiment les victimes. Ça veut dire que, voilà, quand vous avez perdu votre... Enfin, moi, dans le cas où j'ai perdu mon frère, j'ai dû stopper mes études pendant un an. Il n'y a personne qui se souciait de, voilà, est-ce qu'Ayoub a repris ses études, ou par exemple, mon père était taximan, ben, pendant près de 6 mois, là, il ne repassait pas par le centre-ville. Personne ne se souciait si mon père a repris le travail et tout, ou quoi que ce soit. Et donc, je pense que le fait de s'associer, le fait d'être conscient des manques qu'il peut y avoir, par exemple, moi, les premiers réflexes que j'ai demandé, c'est voilà, de suivre dans la vie privée, de demander aux gens comment ils vont, est-ce qu'ils ont repris, est-ce qu'ils ont repris un certain chemin et tout ça, parce qu'à ce moment-là, on peut vriller. Et je pense que le fait de s'unir, c'est même au-delà de l'aspect juridique, de l'aspect militant, c'est de s'aider déjà et de cicatriser entre familles, même si ça reste des plaies ouvertes, le fait d'en parler. C'est déjà de se dire, OK, on va avoir de la compassion entre nous, on va pouvoir en parler entre nous, et surtout, on va affronter, parce que déjà, vivre la mort, c'est une épreuve, mais affronter le reste des épreuves ensemble.
Et chacun dans son processus. Et comme je disais, nous, on a déjà, j'essaye humblement voilà, de contacter les familles et même eux me contactent. On s'appelle et tout, et de voir un peu, où, et chacun a un degré différent parce que chacun est à une étape différente aussi. Et chacun aussi a des sensibilités différentes. Et le fait de se réunir et tout, ça fait clairement de un, une force. Et deux, on va dire que on est complémentaires. Par exemple, il y en a qui ont beaucoup plus facile à s'exprimer, qui ont plus de visibilité et peuvent tirer les autres vers ça, vers l'envie de, voilà, comme disait Amel, en fait, d'une thérapie. Le fait de s'exprimer, le fait de militer, c'est une thérapie. Et des gens, des fois, n'en sont pas conscients. Et quand ils vous voient le faire, ben, eux se disent, ben, moi aussi, en fait, je vais le faire pour mon frère. Et ça, on les pousse à ça. Frère, vraiment, allez-y, faites-le. Si votre frère ou votre soeur a été victime, portez son nom et ne laissez pas le taire. Allez-y jusqu'au bout. Et le fait de rentrer en contact, ça me permet de vous inspirer mutuellement. Moi, dans mon cas, j'étais inspiré par la sagesse de certains parents et de certains frères et sœurs. Quand je leur ai parlé, de voir de quelle manière ils abordaient ça et de manière spirituelle, clairement, ça m'a aidé. Et cet échange-là m'a aidé beaucoup et ça me fait ressortir plus grand. Donc, c'est clair qu'une organisation entre les familles, c'est indispensable. Mais même au-delà de ça, qu'une organisation qui unit même tous les militants pour toutes les causes. Je pense que c'est nécessaire parce que sinon on le fait pas, c'est clair que ben en fait ça n'existe déjà pas. Donc sinon on le fait pas, ben il n'y aura rien et c'est un manque clair qu'il y a. Quand on est une famille de victimes, on n'est ni encadré par l'État, ni encadré par un service d'aide aux victimes de quoi que ce soit. On est seul face à nous-mêmes et face à notre épreuve et face à tout l'engouement médiatique qu'il y a et le procès qu'il y a et les mensonges qu'il y a par rapport à nos frères. Donc c'est clair que c'est même pas une idée en fait que ça doit être, c'est un besoin. C'est plutôt comment on va faire. C'est clair que c'est un besoin indispensable. Et voilà. Merci beaucoup, Ayoub. Merci à toi. Thelma, dans l'optique d'organisation, comment on peut, nous, d'un point de vue militant, arriver, par exemple, à fédérer des avocats comme toi, Alexis, je veux dire, qui soient prêts à travailler d'un point de vue Moi, militant? je serais évidemment prête à aider n'importe quelle organisation de ce type qui voudrait se mettre en place. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut aussi former des jeunes avocats parce qu'on constate quand même que des avocats prêts à prendre ce type d'affaires et à s'y investir, eh bien, ils sont un peu pas très nombreux et que beaucoup d'avocats découragent les victimes de violences policières en disant oui, mais de toute façon, on n'a aucune chance, etc. Et à juste titre, hein, les jeunes avocats ou même les plus vieux avocats qui disent à une famille comme la famille de Lamine, en fait, vous n'avez aucune chance, laissez tomber, ils ont raison par rapport à la situation de la justice. Mais c'est ce que j'essaye toujours d'expliquer aux jeunes avocats que je rencontre où c'est un bon avocat efficace qui voit la justice comme elle est, eh bien, il aurait dit à Rosa Parks, lève ton cul de ce bus parce que la loi, elle est claire, tu ne pouvais pas t'asseoir, tu es noir, tu n'étais pas spécialement malade ce jour-là, il n'y a aucune raison de défendre que tu pouvais rester assise dans ce bus. Un bon avocat, il applique la loi. Un bon militant, il explique, il est du côté de Rosa Parks, ils disent on va aller jusqu'au bout pour changer la loi. Et donc c'est ça que j'ai aimé dans l'intervention d'Amel, c'est qu'elle dit mais on s'en fout finalement qu'ils fassent cette loi, même si elle passe, on fera tout pour qu'elle passe pas, mais même si elle passe, eh bien on continuera de filmer la police parce que ça c'est la désobéissance civile. Mais des avocats qui ont cette idée dans la tête, il y en a très peu. Et donc je pense qu'il faut donner vraiment des formations pour que, y ait de plus nombreux avocats qui prennent ce genre d'affaires. Parce que soutenir les familles, c'est très bien. Vouloir aller jusqu'au bout du procès, c'est très bien. Mais s'il n'y a pas assez d'avocats pour faire le boulot, et c'est un boulot important, eh bien, les quelques avocats qui le font vont s'épuiser et ça ne va pas porter ses fruits. Pour le moment, il n'y a qu'un mine, il n'y a qu'une. C'est que le sommet de l'iceberg, en fait, il n'y a qu'une très petite partie des familles qui vont jusqu'au bout. La plupart des gens ne vont même pas, ne passent même pas l'étape d'aller chez un avocat quand il y a des violences policières. Alors, pour un bête contrôle, les gens ne portent même pas plainte.
Et donc, vraiment, il faut qu'on soit plus nombreux. Il faut évidemment qu'une association comme celle que Mehdi veut mettre en place aide les familles de victimes de violences policières à se défendre, à aller jusqu'au bout. Mais il faut aussi former de plus nombreux avocats pour pouvoir accompagner ces familles. Voilà. Merci beaucoup, Selma. Ça me fait du bien parce que j'entends trop souvent qu'il faut former la police à être moins méchante. Là, tu viens vraiment avec quelque chose qui me fait du bien. Donc, former les avocats à être de bons avocats et pas former la police à être moins gentille. Former les avocats à être plus méchants. Ou avoir des formations pour les pratiques de poursuite. Voilà, un très grand merci. J'ajouterais former les journalistes à être plus critiques. Il est 20, on compte sur toi pour les former, hein, Michel. Oh. Donc, tu n'es pas encore au chômage. Il est 20h22. Tout ça, en fait, comme je l'ai dit déjà, je pourrais rester la nuit entière, mais tout ça pour me montre en fait qu'on sera... J'étais déjà super content d'avoir Amel et Ayoub réunis, Selma, Alexis et Michel aujourd'hui. Mais tout ça, en fait, nous oblige à devoir nous revoir, nous reprendre contact régulièrement et travailler ensemble pour parvenir à notre objectif qui est semblable à nous tous. Avec grand plaisir, Nordine. Je sais bien, Amel, je sais bien. Donc, avant de donner la parole à Michel, pour comme c'était convenu, je vais demander à chacun d'entre vous si vous avez encore une chose à rajouter, là, maintenant que je n'aurais pas... Alors moi, juste pour l'application, je voudrais rajouter qu'elle est téléchargeable aussi en Belgique. Et donc, du coup, toutes les images, elles nous sont envoyées directement. Et en plus, celui qui m'a aidé à la concevoir, c'est un Belge. Donc voilà. Donc, téléchargez l'application UVP. Nous, on se fera... Ça sera avec un grand plaisir qu'on fournira les images à une association belge. Donc, si Mehdi, tu mets en place une association, un collectif pour aider les familles, en tous les cas, on reste en contact et les images qu'on aura de la Belgique, on pourra te les envoyer. Et après, à toi de faire le reste, de pouvoir rentrer en contact avec les victimes ou les témoins. Puisqu'on reçoit aussi le nom des personnes qui ont téléchargé l'application et le mail, donc de façon à pouvoir les contacter. Donc, n'hésitez pas à parler de cette application qui s'appelle UVP et qui est téléchargeable aussi en Belgique et partout dans le monde en plus. Donc, mais la Belgique, c'est juste à côté. Donc voilà, s'il y a un projet de s'organiser à l'international et tous ensemble, donc, avec grand plaisir, on mettra à votre disposition, Mehdi, toutes les images qu'on pourra recevoir de la Belgique. Donc, voilà, on fera comme on fait à chaque fois, avec bienveillance et solidarité des uns avec les autres et que nos expériences de familles de victimes puissent aussi servir à d'autres. Et je vois que vous avez des avocats super engagés, un journaliste. Nous, on en a un peu plus en France maintenant, des journalistes qui se sentent concernés depuis la nouvelle loi. Mais voilà, donc en tous les cas, faut pas désespérer. Nous, on revient de très, très, très loin, puisqu'il y a quelques années, les gens ne nous prenaient pas au sérieux et qu'aujourd'hui, on voit bien le constat. Ce qu'on disait il y a quelques années, se révèle être vrai, l'actualité nous donne raison. Et puis même, ne serait-ce que l'application, voyez, là on interdit, on veut interdire de filmer, donc on porte atteinte à un droit fondamental, donc on nous prive de nos libertés et qu'on est en train de grignoter sur nos libertés fondamentales.
et que tout ça doit nous alerter. Et je pense aussi à la loi sur le séparatisme aussi qui vient d'être adoptée, toutes ces lois liberticides et sécuritaires. C'est vraiment, il faut vraiment être en alerte tous les jours et à dénoncer même ne serait-ce qu'un contrôle au faciès, une insulte. Parce que vous savez, les institutions marchent avec des chiffres. Et donc, quand on ne porte pas plainte, donc ça veut dire qu'il ne s'est rien passé. Donc, c'est pour ça que nous, c'est important quand on reçoit des messages, même ne serait-ce qu'un vol, un vol de portable commis par des policiers ou un vol de juste d'AirPods ou des propos, eh ben, on essaie d'accompagner avec notre collectif d'avocats parce que nous, les avocats, moi, je pense à Maître Chalabi Ibrahim, qui est un petit jeune avocat qui vient de commencer qui nous soutient gratuitement et qui fait même des lettres pour porter plainte, qui accompagne les familles parce que tous les avocats ne sont pas forcément disponibles. Donc voilà, c'est comme ça qu'on arrivera à changer les choses. Et en tous les cas, ce qui est certain, c'est que nous, on reste à votre disposition pour construire quelque chose à l'international avec grand plaisir en tous les cas. Merci à elle. J'ai monopolisé la parole. Je suis vraiment désolée. Non, pas de quoi. C'est super, Amel. Merci. Non seulement la France, c'est pas loin, mais en plus... la personne qui gère l'application, c'est notre sœur, donc on va certainement pas se gêner. Ayoub ? Moi, il n'y a pas de souci. Enfin, dès qu'on mettra ça en place, que ce soit pour l'application, enfin, dès que j'aurai mis les choses en place, je serai avec un grand plaisir qu'on peut s'organiser avec Amel. De toute façon, on va s'échanger les contacts. Et voilà, mais au-delà de ça, moi, si je peux finir pour un mot de la fin, c'est... Maintenant, on va se retrouver dans une période où il va y avoir beaucoup d'audience pour nous, les familles, que ce soit pour la famille pour le cas de Maouda, là, cette semaine. C'est important qu'il y ait de l'attention là-dessus. Le 2 février, comme il était revenu pour l'appel pour Lamine Bangoura. Ensuite, nous aussi, il y a des décisions qui vont être remises par rapport au devoir d'enquête complémentaire que nous. Qu'on va demander par rapport à nous, pour mon petit frère Mehdi, mais il y a aussi, on attend la décision, enfin, je ne vais pas parler au nom de l'avocat, mais je sais qu'il y a des décisions qui vont tomber aussi pour la famille d'Adil. Donc, c'est vraiment, si je peux demander à tous les gens pour conclure, c'est d'essayer d'être attentif au maximum, même pendant le confinement, que ce soit par rapport aux actions militantes et de soutenir un maximum les familles. On a extrêmement besoin de ça et d'être derrière eux, que dès qu'il y a une action, de venir se déplacer, de le publier, c'est bien, mais de venir se déplacer et d'aider les familles. Tout le monde, toutes les personnes qui étaient là, ils étaient clairement d'accord pour dire que voilà, la présence d'une personne, ça vaut énormément. Donc voilà, si je peux finir sur ça, et voilà, en espérant que tout est mieux, et voilà, justice pour Mehdi, et justice pour tous nos frères et sœurs, petit frère Mehdi, Inch'Allah. Merci à toi, merci à tous, merci Nordine. On est là, Ayoub. Selma ? Pour le moment, moi, je suis en mode Maouda, 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 parce que ça passe lundi et que c'est la prochaine étape. On espère qu'il y aura du monde devant le palais de justice de Mons. Il y a des rendez-vous à peu près devant tous les palais de justice du pays pour ceux qui ne savent pas se déplacer à Mons pour venir mettre des messages de soutien à la famille. Il faut montrer qu'il y a un désaccord massif avec ce qui se passe, que la société civile n'est pas ce que la droite a l'air de croire, des gens qui sont d'accord avec la violence policière, des gens qui sont d'accord. Il faut savoir que les trolls de droite sont nombreux sur les réseaux sociaux, mais ils ne sont pas représentatifs de tout le monde et qu'il y a plein de gens qui ne sont pas du tout d'accord avec ce qui se passe. Il faut faire entendre notre voix. Donc j'espère qu'il y aura du monde et en tout cas moi je serai là pour les procès des autres, pour Adil, pour Lamine, pour Mehdi, pour Akram. On sera là parce que c'est un combat qu'on peut pas laisser tomber. Justice pour tous. Merci beaucoup Selma. Avant de passer la parole à Michel. Donc, à l'écoute de tout ceci, il est clair que la question des violences policières racistes de la police est centrale depuis
les priorités de gestion sécuritaire des quartiers en passant par les formes d'impunité, la collusion, etc., etc. La liste devient longue mais précise. C'est chacun de ces sites de production racistes qui font l'objet de notre travail et on continuera dans les mois, les semaines, les années à venir. Avant de te donner la parole, Michel, parce que je ne sais pas si Selma sera encore là, je veux dire toutes mes pensées, soutien et solidarité avec Amer Frast et Ali Shamden, qui sont les parents de la petite Maouda, et avec Selma, qui est leur avocate, qu'on a entendue aujourd'hui. On est avec toi, Selma, pour ces trois jours particuliers. Donc, courage, on est là, quoi qu'il arrive. Tu as déjà gagné, et merci. Donc, voilà, Michel, je te laisse le temps maintenant de nous dire ou lire ton texte. Oui, en fait, voilà, c'est j'ai finalement assez peu de possibilités d'expression sur ce dossier, même si je suis journaliste, en dehors de mes articles, il y a assez peu de débats publics. Par exemple, depuis que 2 ans que je fais cette contre-enquête, je n'ai pas eu un seul débat contradictoire. Donc, c'était parfois un peu, on se sent un peu isolé, si je puis dire. Et donc, voilà, j'ai fait un texte. Il est un peu long. Je comprends que les autres participants passent à autre chose. Mais je vous remercie de vraiment le comité Justice Maouda et tous les autres organisateurs de me donner cet espace de parole. Donc, c'est une sorte de profession de foi par rapport à cette affaire ou ce que j'en ressens. À l'issue de 2 ans de contre-enquête. Alors, je commencerai comme ça, en disant que j'ai honte, pour notre état de droit. Le procès qui débutera ce lundi 23 novembre dans l'affaire Maouda n'abordera qu'une partie des faits, les circonstances du tir mortel d'un policier durant une course-poursuite sur une autoroute belge, dans la nuit du 16 au 17 mai 2018. À quel moment a-t-il tiré? Était-il autorisé à le faire? Que savait-il de la présence de migrants à bord du véhicule? La camionnette poursuivie faisait-elle des zigzags sur l'autoroute? Était-elle menaçante? Voilà ce dont on parlera durant ce procès. Mais il faut avoir conscience que ce n'est là que la pointe visible de l'iceberg dans ce dossier. Je vais donc évoquer ce que la justice montoise n'a pas voulu aborder dans ce procès. Car il faut le dire sans détour, avec force, avec indignation, le parquet de Mons s'est refusé à poursuivre les mensonges policiers qui ont immédiatement suivi le tir d'un agent de la police des autoroutes qui a tué Maouda. Pourtant, ces mensonges sont parfaitement objectivés par le dossier judiciaire. Cela me choque profondément. Cette obstination des autorités judiciaires montoises dans le déni est une catastrophe pour l'image de nos institutions et pour le vivre ensemble dans ce pays. Alors, je ne vais pas vous raconter ici tous les détails de la course-poursuite. Je l'ai déjà fait plusieurs fois dans des articles qui sont sur le net, accessibles sur le net et dans des conférences. Mais sachez seulement qu'après le tir insensé d'un policier sur la camionnette en mouvement, celle-ci se rangea très rapidement sur l'aire d'autoroute du Bois du Gard, à Mézières, près de Mons. C'est là, alors que le corps de Maouda gisait sur le bitume froid de cette aire de repos, c'est là que, très vite, la fabrique au mensonge s'est mise en branle. Il me faudrait bien trop de temps pour expliquer tous ces mensonges dans le détail. Je vous invite à lire les articles que j'ai écrits sur le sujet. Je résumerai donc en disant que sur le parking de Mézières, 3 versions complètement mensongères des faits ont été produites par des policiers présents sur place et que toutes avaient pour point commun d'innocenter leurs collègues tireurs. Toutes ces versions mensongères ne reposaient sur aucun
élément objectif. Aucun témoignage, rien de l'invention pure et simple. Il y eut d'abord le mensonge de l'enfant tombé de la camionnette pendant la course-poursuite, raconté par des policiers aux urgentistes lorsqu'ils arrivèrent sur le parking pour les orienter vers un diagnostic de traumatisme crânien. Pourtant, sur ce parking, se trouvait l'auteur du tir, son coéquipier et plusieurs policiers qui avaient participé à la course-poursuite. Pourtant, il avait été question du tir dans les conversations radio à la fin de la course-poursuite. Pourtant, le bruit de la détonation avait été entendu par plusieurs policiers qui avaient participé à cette course-poursuite. Pourtant, tous les policiers qui avaient participé à la course-poursuite et qui se trouvaient sur ce parking savaient qu'aucun enfant n'était tombé de la camionnette pendant la course-poursuite. Par contre, ces policiers avaient bien vu, juste avant la course-poursuite, sur ce parking de Mézières, le papa de Maouda, sortant en pleurs de la camionnette, avec son bébé dans ses bras, son enfant inanimé, son enfant au visage ensanglanté. Le tir avait eu lieu 2 minutes plus tôt, mais l'un des mensonges fondateurs de cette tragédie, c'est de nous faire croire qu'aucun de ces policiers qui savaient qu'il y avait eu un tir, ou qui pensaient avoir entendu une détonation, ou qui encore avaient parlé de la détonation sur les ondes radio, qu'aucun de ceux-là n'ait fait le rapprochement avec cet enfant au visage ensanglanté qui était sorti de la camionnette dans les bras de son papa. Mais sur ce parking, à l'amnésie collective immédiate à l'égard du tir, s'est donc ajouté le parjure, le mensonge et le déshonneur. J'espère que les policiers qui ont fait croire aux urgentistes que Maouda était tombé de la camionnette pendant la course-poursuite auront un jour l'obligation de s'expliquer devant une commission d'enquête parlementaire. Il n'y a pas eu que le mensonge de l'enfant tombé. Plus tard dans la nuit, alors que l'information du tir policier fuita du parking, sortit du parking, à la suite d'un coup de fil passé par le coéquipier du tireur à un de ses supérieurs, il y eut un début d'élaboration d'une autre version totalement mensongère des faits. Celle du second tir imaginaire. Celle-ci intégrait le fait qu'un policier avait tiré, mais elle suggérait qu'il y avait eu aussi un tir venant de la camionnette, c'est-à-dire des migrants. Mais en fin de nuit, c'est encore une autre version des faits, tout aussi mensongère, qui fut finalement retenue par la police. On en revenait à une thèse du traumatisme crânien. Cette fois, il n'était plus question d'une chute, mais de coups et blessures ayant entraîné la mort. En résumé, un officier de police s'est senti autorisé a inventé ni plus ni moins que c'étaient les migrants eux-mêmes qui avaient tué Maouda. Comment ? C'est la thèse de l'enfant bélier. Elle est exposée dans le procès verbal initial du dossier. Je vous cite ce passage du procès verbal parce que c'est un morceau d'anthologie dans ce genre de mensonges policiers. Je cite. Selon les informations recueillies et nos constatations, les faits se seraient déroulés comme suit. On transporte des personnes en situation illégale dans une camionnette. On est pris en charge par la police car on tente de se soustraire au contrôle. On brise des fenêtres avec la tête d'une enfant et on fait mine de la jeter vers les véhicules de police. Les coups occasionnés à l'enfant entraînent un traumatisme crânien et le décès de l'enfant. Aucun enfant n'est jamais tombé d'une camionnette dans cette affaire. Aucun tir n'est jamais venu de la camionnette des migrants et aucun élément objectif dans ce dossier. Aucun témoignage n'a jamais fondé la thèse de l'enfant bélier. Toutes ces versions furent des inventions pures et simples. Le parquet de Mons le sait parfaitement bien. Mais peut-être n'a-t-il pas eu envie de remuer tout cela
parce qu'il a lui-même été impliqué dans l'élaboration de la thèse fausse du traumatisme crânien via le rôle trouble joué par un magistrat de garde la nuit des faits. Ce magistrat de garde qui, durant la nuit tragique, œuvra pour que le comité P, la police des polices, ne descende pas sur le parking. Dans cette affaire, il y a eu des menteurs, mais il y a eu aussi des policiers qui ont voulu faire leur travail, tel un officier de garde qui, ayant appris au milieu de la nuit qu'il y avait eu un tir lors de l'intervention de Mézières et qui souhaitait que le comité P descende sur le parking. J'appellerai cet officier avisé Patrick, c'est évidemment un prénom fictif. Patrick ne se trouvait pas avec ses collègues sur le parking. Il est donc étranger aux histoires d'enfants tombés, de tirs imaginaires, etc. Mais Patrick n'avait pas le pouvoir de saisir lui-même le comité P. Cette prérogative appartient au parquet. Au milieu de la nuit, Patrick téléphone donc au magistrat de garde. Ce magistrat lui dit « Pas question de faire descendre le comité P. » Ce magistrat dit à Patrick de contacter un médecin légiste bien précis. Il lui donne son nom. Appelons ce médecin David, c'est aussi un prénom fictif. Le magistrat dit à Patrick « Demandez à David qu'il se rende au chevet de l'enfant pour déterminer s'il y a trace ou non d'une blessure par balle. » Que fait David? Il se contente de téléphoner au médecin urgentiste qui était intervenu sur le parking quelques heures plus tôt et qui avait cru à l'histoire de l'enfant tombé racontée par les policiers. Le médecin David revient ensuite vers Patrick en lui disant que le médecin urgentiste a confirmé qu'une mort par balle est exclue. Patrick répercute l'information à l'officier qui coordonne les opérations sur le parking. Appelons cet officier Henri, encore un prénom fictif. Alors que quelques instants plus tôt, Henri travaillait sur l'hypothèse inventée du second tir venant de la camionnette, il change immédiatement son fusil d'épaule et se met à inventer une histoire qui pourrait coller à une mort de Maouda, s'expliquant par un traumatisme crânien. Reprendre l'histoire de l'enfant tombé, ce n'est pas possible parce qu'il n'y a aucun témoin d'une chute de la camionnette. Mais Henri a beaucoup d'imagination. Il invente alors l'histoire de l'enfant bélier. Dans différentes conférences de presse, un porte-parole du parquet de Mons, le procureur du roi de Mons, mais encore le procureur général de Mons, ont protégé la police en disant qu'au début de l'enquête, les policiers qui étaient sur le parking avaient vraiment cru que Maouda était morte d'un traumatisme crânien parce qu'ils avaient été induits en erreur par le médecin urgentiste qui avait, entre guillemets, exclu une mort par balle. La vraie histoire est bien différente. Ce sont des policiers sur le parking qui ont fait croire aux urgentistes que Maouda avait été victime d'une chute pendant la course-poursuite pour diriger les urgentistes vers une thèse de traumatisme crânien. Les urgentistes ont cru les policiers. Affairés à sauver l'enfant en pratiquant des gestes de réanimation, ils n'ont pas compris que la blessure qu'ils entrevoyaient sur le visage ensanglanté de la victime était une blessure par balle. Le fait qu'ils n'aient pas compris ce que signifiait la blessure sur le visage de Maouda m'a troublé. Mais je me suis renseigné auprès d'un légiste réputé, le professeur Boxo à Liège. Il m'a confirmé que des praticiens non spécialisés en médecine légale peuvent passer à côté d'une blessure par balle, surtout quand des policiers leur assurent qu'il n'y a pas eu de tir. Le porte-parole du parquet de Mons a même été jusqu'à prétendre qu'il y avait eu un rapport de l'urgentiste disant qu'une mort par balle était exclue. Cela n'est pas un mensonge de la police, c'est un mensonge du parquet de Mons. Il n'y a jamais eu de rapport de l'urgentiste. Il y a juste eu la conversation téléphonique dont je vous ai parlé. Mais le pire, c'est que lors de cette conversation téléphonique, le médecin urgentiste n'a pas eu les mots que le légiste David lui a prêtés. Il n'a jamais dit
qu'il excluait une mort par balle. Il a juste dit que les policiers ne lui avaient pas parlé d'un tir, qu'on lui avait parlé d'une chute. Ce médecin urgentiste a notamment déclaré ceci au comité P. Je le cite. « Dans ma pensée, puisqu'on me parlait d'une chute, les cervicales auraient dès lors pu se rompre, touchant la moelle ou le tronc cérébral, ce qui pouvait provoquer l'arrêt cardiaque. En effet, chez un enfant, la tête est plus lourde par rapport au reste du corps. C'est souvent elle qui va percuter le sol en premier. Donc, la plaie au visage pouvait trouver également son origine dans la chute de l'enfant, dans une chute de l'enfant. Personne ne m'a fait part de l'utilisation d'une arme à feu. Je n'ai pas cherché à savoir car ma priorité était de sauver l'enfant. Je m'en suis directement occupé et au final, je ne suis resté que très peu sur place, à savoir une petite dizaine de minutes. Si on connaît enfin ce témoignage, c'est parce que, à force d'insistance de la partie civile, un devoir complémentaire a été réalisé dans le cadre de l'instruction pour entendre ce médecin. Ce médecin a été entendu un an après les faits, un an après les conférences du parquet de Mons qui ont fait passer cet homme comme le responsable de l'égarement initial de l'enquête. Je vous ai parlé du magistrat de garde qui ne voulait pas que le comité P se rende sur le parking et qui fit appeler le médecin légiste David. Je viens de découvrir que ce magistrat a eu personnellement des contacts avec un inspecteur du comité P pendant la nuit tragique. Ce que je vais vous dire maintenant est totalement inédit. Cela ressort d'un rapport qui a été rédigé par cet enquêteur du comité P qui avait été prévenu par Patrick qu'il y avait eu un tir policier, mais qu'en même temps, le magistrat ne voulait pas le voir débarquer sur le parking. Je vais appeler l'enquêteur du comité P, John, pour que ce soit plus facile dans le récit. Dans un rapport, John écrit qu'à 3h43, il contacte le magistrat de garde du parquet de Mons. John note dans son rapport, j'ouvre les guillemets, celui-ci, donc le magistrat de garde, nous informe qu'il ne dispose d'aucun renseignement sur la manière dont l'enfant est décédé et qu'il a requis un médecin légiste afin d'examiner le corps de l'enfant. Nos services ne sont pas requis dans l'immédiat. Aucun renseignement, vraiment. Le procès-verbal initial du dossier renseigne que le magistrat de garde a été informé du tir policier à 3h10 du matin. Encore une fois, il n'y a pas eu que des policiers qui ont menti dans ce dossier. Peu convaincu de la réponse qui lui a été faite par le magistrat, John téléphone à l'officier Henri qui se trouve sur le parking de Mézières. Cet officier Henri qui inventera bientôt la fausse histoire de l'enfant bélier. John note dans son rapport qu'à 4h du matin, Henri lui confirme qu'il y a eu un tir policier, mais que dans le même temps, Henri précise n'avoir constaté sur la petite fille décédée, donc j'ouvre bien les guillemets, n'avoir constaté sur la petite fille décédée aucun impact de projectile apparent. Mais il indique que son visage était ensanglanté. À 7h du matin, cette nuit-là, le magistrat de garde appelle lui-même John, l'enquêteur du comité P, pour lui confirmer que l'intervention du comité P n'est toujours pas requise. Et ce qu'il lui dit est stupéfiant. Je suis tombé de ma chaise en découvrant ça ces jours-ci. Bien sûr, le magistrat confirme, et je le cite, que selon le médecin légiste requis, la petite fille serait décédée suite à une violente commotion cérébrale et non suite à l'usage d'une arme à feu. On a vu comment cette information est venue par un simple coup de fil au médecin urgentiste qui n'avait pas dit ça. Mais le magistrat de garde affirme en plus à John, et je le cite encore, « La douille a été retrouvée ainsi, et notez bien cette phrase, ainsi que l'impact de la balle dans le bas du véhicule. » Certes, la douille avait été retrouvée, d'ailleurs dans des circonstances assez spéciales, puisqu'elle a été retrouvée par le coéquipier du policier tireur qui se promenait
tout près de la camionnette, etc., pendant qu'il n'y avait pas de zone d'exclusion judiciaire. Mais toujours est-il que cette douille a donc été retrouvée par le coéquipier du tireur sur le pare-brise du véhicule de police duquel le tir est parti. Elle était coincée au niveau de l'attache de l'essuie-glace passager avant. Par contre, jamais dans ce dossier, jamais, on a trouvé un impact de balle dans le bas du véhicule. Cette information est totalement fausse. C'est une information qui a été évidemment à ce moment-là précise, de nature à renforcer l'idée que le tir policier n'avait pas touché Maouda, puisque la balle s'était encastrée dans, puisqu'on disait que la balle s'était encastrée dans le bas du véhicule. Le magistrat de garde a donc désinformé le comité T. Était-ce son mensonge ou répercutait-il un mensonge venant des policiers présents sur le parking? Une confrontation devant une commission d'enquête parlementaire pourrait le déterminer. Plusieurs éléments dans ce dossier laissent donc à penser que le parquet de Mons a joué un rôle trouble dans l'élaboration des mensonges initiaux de l'affaire, à tel point qu'il m'apparaît peu éthique que ce soit ce même parquet qui soit appelé à représenter la société dans le procès Maouda. Celui-ci est en quelque sorte juge et partie. Je trouve que tous les avocats qui vont plaider dans ce dossier, tous, toutes les parties au procès devraient s'indigner de cette situation. Que la présidente du tribunal devrait aussi s'en indigner. Que tous les acteurs de ce procès constatent qu'il y a une impossibilité de rendre justice dans de telles conditions. Ce qui traverse aussi ce dossier, c'est l'inhumanité. Et elle a atteint son paroxysme au moment où la maman de la petite Maouda ne put accompagner son enfant dans l'ambulance qui la conduisait à la morgue de Jolimont. Mais sur ce point encore, le parquet et le parquet général de Mons crurent bon de prendre la défense des policiers en voulant faire croire que les parents n'avaient pas été identifiés comme tels avant le départ de l'ambulance. Un mensonge de plus. En ajoutant ceci, cette phrase sortie de la bouche du procureur du roi de Mons. Quand le service 100, j'ouvre les guillemets, quand le service 100 arrive sur les lieux d'un accident, ils embarquent les blessés et on ne prend personne. Quelle indécence! Et quelle indécence de la part de fonctionnaires qui ont pourtant pour devoir de représenter la société. Je vous renvoie à ce que déclara l'infirmière cette nuit-là. L'infirmière qui est intervenue avec les urgentistes. Ce qui m'a choqué, je vous ouvre les guillemets de nouveau, ce qui m'a choqué, c'est que les parents n'ont pas pu nous accompagner dans l'ambulance, même si ceux-ci étaient privés de liberté. Il est déjà arrivé, quand c'est le cas, qu'un policier accompagne la personne privée de liberté jusque dans nos services. Je ne comprends pas pourquoi cela n'a pas été le cas ici. Ce n'est pas tout. Par ailleurs, la justice, comme elle le fit dans le cadre d'autres dossiers problématiques, a saucissonné le dossier. Elle a disjoint du dossier principal Maouda des éléments encombrants. Ces éléments encombrants ont été versés dans un autre dossier judiciaire qui a été instruit à Liège sous la houlette du parquet fédéral. J'utiliserai une métaphore pour que l'on comprenne mon propos à cet égard, celle d'un livre dont on aurait retiré le premier chapitre, avec pour conséquence qu'on n'est plus en mesure de comprendre le début de l'histoire et donc toute l'histoire. Ces éléments encombrants sont relatifs à une opération de police transfrontalière franco-belge impliquant des magistrats français et belges du parquet de Dunkerque, du parquet de Gand, et des policiers français et belges de la BMR, Brigade Mobile de Recherche de Coquel, et de la police judiciaire de Flandre orientale. Entamée en février 2018, cette opération de police transfrontalière fut baptisée Pêche-Melba en France et Hermès en Belgique. Dans le cadre de l'opération de surveillance transfrontalière franco-belge qui a précédé la course-poursuite, des policiers placèrent une balise de géolocalisation sur la camionnette, mais dans le même temps, ils ont laissé celle-ci sans surveillance visuelle,
sachant qu'elle allait certainement être utilisée par une bande de passeurs qui surveillaient depuis des semaines. Ces policiers savaient que ces passeurs-là avaient pour caractéristique de ne jamais s'arrêter en cas de contrôle routier. Ces policiers présupposaient que des migrants allaient monter à bord de la camionnette et que celle-ci, comme toutes les autres camionnettes qu'ils avaient surveillées dans cette opération Hermès, allait se rendre en Belgique afin de chercher sur des parkings des camions se dirigeant vers la Grande-Bretagne. Ces policiers savaient enfin que cette camionnette allait possiblement être l'objet d'une interception en Belgique par la police des autoroutes affairée à la chasse aux migrants dans le cadre de ces opérations Médusa. Ils pouvaient facilement présupposer enfin que cela se passerait mal en cas d'interception parce qu'il y avait déjà eu de précédentes interceptions qui avaient mal tourné avec cette même bande de passeurs qu'ils surveillaient depuis des mois et qui ne s'arrêtaient jamais en cas de contrôle routier. Mais l'objet prioritaire de cette surveillance franco-belge qui a précédé la course-poursuite était de remonter une filière, pas de prendre garde à la sécurité des migrants en doublant la pose de la balise par la mise en place de mesures de contrôle visuel permettant d'éviter un contrôle policier qui tournerait mal. On a travaillé dans ce dossier comme si on surveillait des livraisons de drogue, alors qu'il s'agissait de transport de personnes en situation de danger. Les déclarations des policiers de l'opération Médusa, ceux qui se livrèrent à la chasse de la camionnette dans la nuit du 16 au 17 mai 2018 sur une autoroute belge, renseignent une vérité tragique que des magistrats et des policiers n'ont pas eu envie de voir apparaître. C'est pour cela que les premières pages du livre ont été arrachées afin d'être noyées dans un autre dossier. Cette vérité, c'est que cette course-poursuite n'aurait même pas dû commencer. L'inspecteur principal qui dirigea la course-poursuite qui se termina par le tir mortel a d'ailleurs été interpellé sur le sujet par le comité P, qui lui demanda « Votre intervention aurait-elle été différente si vous aviez été informé de la présence d'une balise sur la camionnette ?» Il répondit « Oui, j'aurais peut-être directement cessé la poursuite. Je ne l'aurais peut-être même jamais entamée. Il arrive que l'on soit informé d'un véhicule chaud parce que surveillé par l'un ou l'autre service. On ne s'en approche alors pas. » S'il y avait eu un contrôle visuel du véhicule au-delà du placement d'une balise pour surveiller ses déplacements sur un ordinateur, la course-poursuite n'aurait pas commencé. Et si on n'a pas les moyens de mettre en place tous les verrous de sécurité dans une affaire de traite des êtres humains, dans ce type d'opération de surveillance, on ne cherche pas à remonter des filières en considérant que la mise en péril des victimes est un risque acceptable. J'en viens à ma conclusion. En 2 ans de contre-enquête, malgré de nombreux articles, je n'ai pu que déplorer l'inaction politique, l'absence de grands débats médiatiques, un assourdissant silence institutionnel à l'égard de ces informations qui dérangent à différents niveaux de pouvoir. Pourtant, ces informations choquantes sont avérées, non contestables, et elles mettent en lumière des faits inacceptables dans un état de droit. Le monde politique n'en a rien fait, rien. J'invite ces élus muets et aveugles à relire Montesquieu. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Ces mandataires dont l'un des jobs est de veiller à l'équilibre des pouvoirs vont-ils enfin percuter? Peut-être croient-ils que cela ne leur rapportera pas beaucoup de voix. Et s'ils croient ça, c'est alors qu'ils ont inconsciemment adopté le mode de pensée de l'extrême droite. Personnellement, je veux croire que dans notre société, il y a beaucoup de personnes avides de justice et de solidarité. Quoi qu'il en soit, certains combats doivent être menés simplement parce qu'ils sont dignes et justes, parce qu'ils grandissent ceux qui les portent. Jusqu'à présent, le discours a été « laissons faire la justice ». Eh bien voilà, c'est fait. L'instruction est terminée, il y aura bientôt un premier jugement. Techniquement, la voie est libre pour une commission d'enquête parlementaire. Peut-être que politiquement, la voie est plus ouverte aujourd'hui qu'hier, alors que la NVA
n'est plus dans la majorité au fédéral. Je dois cependant avouer que je formule ici un espoir assez modéré. Dans cette intervention, j'ai évoqué les mensonges qui se sont succédés sur le parking de Mézières après le tir policier. Tous les acteurs policiers qui ont participé à ce festival de mensonges ont bénéficié à ce jour d'une totale impunité. Certes, ils ont dû s'expliquer devant le comité P, mais cela s'est fait dans le cadre d'une instruction montoise au cours de laquelle il n'a jamais été question de poursuivre ces menteurs. Dès lors, il y a donc des vides, des trous, des vérités qui restent à découvrir. Dès lors, puisqu'on est dans un état de droit, il devrait y avoir un contre-pouvoir pour contrôler le travail de la justice. Mais il a été totalement inexistant dans cette affaire. La commission du Parlement, qui est chargée du contrôle de l'action des services de police via le comité P, n'a pas fait son job. En janvier 2019, les mandataires qui formaient alors cet organe parlementaire se sont contentés de valider un rapport du comité P qui évitait toutes les questions qui fâchent. À l'époque de ce rapport du comité P, Maître Ben Khalifa, l'avocate des parents de Maouda, avait résumé cette gifle à la démocratie en ces termes, j'ouvre les guillemets. Le ton du rapport est très choquant. C'est un rapport uniquement technique dans lequel la mort de la petite Maouda passe pour un détail. On parle de problèmes de communication, de la manière dont la police devrait mieux collaborer inter-équipe. Le langage utilisé est presque incompréhensible pour le commun des mortels. Le prénom de Maouda n'est même pas cité. Il n'y apparaît pas non plus les termes « petite fille »,« arme » ou « mort ». On ne lit que « incident de tir ». À la lecture du rapport, en faisant abstraction de la date du 17 mai, on ne peut même pas savoir qu'une petite fille est morte ce jour-là. Fin de citation. Pour sauver ce qui peut encore l'être dans la lamentable gestion institutionnelle de ce dossier, il est impératif de créer une commission d'enquête parlementaire disposant des pouvoirs d'un juge d'instruction, afin de confronter toutes les versions contradictoires, de débusquer tous les mensonges, de mettre un stop clair et net à l'impunité dans l'affaire Maouda. Cela serait un signal fort. Il faut que ceux qui mentent aient peur. Il faut que ceux qui voudraient mentir à l'avenir sachent qu'il leur en coûtera. Si les politiques ne réagissent pas maintenant, il y aura matière à plus d'inquiétude encore. Au lieu de convoquer Montesquieu, on se rapportera alors à la sagesse populaire, à ce proverbe « qui ne dit mot, consent ». Il faudrait prendre acte que nos élus consentent que la justice ferme les yeux sur des mensonges policiers dans une affaire d'homicide dont la victime innocente était une enfant de 2 ans. Il faudrait alors prendre acte de l'incapacité de nos élus à débattre de faits éminemment politiques, de faits qui interrogent notre société, notre humanité. Rappelons que Maouda a été tué dans le cadre d'une opération Médusa. Ces opérations Médusa sont des missions dites de police intégrée visant à dissuader la transmigration, entre guillemets, sur le territoire belge. Elles ont été initiées par la majorité suédoise en 2015. L'ex-ministre de l'Intérieur, Jan Janbon, a vanté les mérites de ces opérations Médusa à plusieurs reprises lors des débats parlementaires. Les opérations Médusa ont ainsi été évoquées dans les notes de politique gouvernementale en 2015, en 2016, en 2017 et en 2018, année durant laquelle Jambon a demandé leur intensification. Voici un extrait d'une note présentée au Parlement le 3 de novembre 2015, déclarant dans des envolées teintées de paranoïa sa volonté de bloquer la route aux transmigrants désireux d'expérimenter des chemins d'exil vers le Royaume-Uni qui passerait par la Belgique. L'exécutif, le gouvernement, annonçait alors, je cite, « Les personnes en séjour illégal constituant une menace pour la sécurité nationale seront recherchées en priorité et renvoyées au plus vite vers leur pays d'origine. L'arrivée massive des demandeurs d'asile a créé le besoin d'entreprendre une action visant à maintenir un contrôle maximum sur cet afflux. L'action Médusa a été mise sur pied dans cette optique-là. »
pour les policiers de terrain, voilà ce que veut dire Médusa. Ce sont ici maintenant les paroles de l'une des policières qui repéra la camionnette dans la région de Namur sur un parking de la E42, la camionnette où se trouvait Maouda, que je vais citer. Nous étions prévus pour une mission spécifique de contrôle des migrants, l'opération Médusa. Notre mission est de nous rendre sur les parkings d'autoroute en vue d'interpeller des migrants. Peut-être vous interrogez-vous sur la signification de ce nom Médusa. En 2016, un confrère du Soir écrivait, je cite, « L'officier responsable du choix du nom Médusa souligne que son intention était de se référer à la mythologie, à la gorgone Médusa, petite fille de Gaïa, la terre, et de l'océan, Pontos, empêchée de voyager et qui suscite la crainte chez ceux qu'elle pétrifie du regard. » Le message est clair. Migrants, ne venez pas sur nos parkings d'autoroute, dans les ports et les gares. À la recherche d'un moyen de passer vers l'Angleterre, nous vous arrêterons. Vous reviendrez à la case départ, pétrifiés, s'il le faut. Si vous voulez passer en Angleterre, allez plutôt vous noyer dans la Manche. Quelques semaines avant la mort de Maouda, dans le cadre d'une opération Médusa de chasse aux migrants, le ministre Jambon avait exigé de la police fédérale qu'elle renforce les opérations Médusa. Bien sûr, dans les assemblées parlementaires de ce pays, on a parfois une notion assez vague de ce qu'est la responsabilité politique. Et d'ailleurs, on en a eu la preuve au lendemain de la mort de Maouda, lorsque Bart de Wever, l'un des complices de Jambon, a inversé les termes de cette affaire avec un cynisme effrayant. Il a dit « c'est la faute aux parents, ils n'avaient pas à se trouver dans cette camionnette ». Ce renforcement des opérations Médusa exigé par le ministre de l'Intérieur quelques semaines avant le drame de Mézières sera également hors du champ de la procédure lors du procès à Mons. Par contre, ce fait politique pourrait faire un bon début d'interpellation pour un parlementaire, s'il en existe un, qui ne serait pas insensible à cette affaire Maouda, dont la gestion institutionnelle a été lamentable. Je terminerai en disant encore une fois que j'ai honte, mais j'ai honte aussi pour notre démocratie. Merci. Merci beaucoup pour cette magnifique conclusion et ces révélations aussi exceptionnelles. J'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir lire ce que tu viens de nous dire. Oui. Je ne sais pas encore comment je vais le publier, mais je le publierai de toute façon. Voilà. Je voudrais rajouter que... Et je sais que c'était très long, je m'en excuse. Je m'excuse pour la longueur. J'espère que ce n'est pas un manque de respect pour tous les autres participants, mais enfin, voilà. Pas du tout. Merci, on était au courant et c'est prévu comme ça. Donc, t'inquiète pas, il faut prendre le temps pour aller en profondeur et je te remercie pour ça. Te dire le contre-pouvoir, qu'il n'y en a pas beaucoup, ben, c'est toi. Et plutôt que d'inviter... à lire Montesquieu, j'inviterai les élus, les magistrats, les procureurs à lire ton enquête, en fait. Voilà, j'espère qu'ils le feront. Donc, on va clôturer cette soirée aujourd'hui par un rappel que Ayoub a dit. Donc, il y a le 2 février dans le cadre de l'affaire de Lamine, mais qu'on pense chacun aux différentes mobilisations qui vont avoir lieu ces prochaines semaines et ces prochains mois. Le plus proche, c'est l'affaire Maouda, donc j'invite tout le monde à demain, lundi, mardi, à relayer un maximum d'infos et autour de l'affaire Maouda. Tous ceux qui ont suivi aujourd'hui, je les invite à, s'ils veulent s'intéresser plus, ou soutenir d'une manière ou d'une autre les différents collectifs, c'est sur Facebook d'aller sur les différentes pages de Justice pour Lamine, Justice pour Adil, Justice pour Mehdi, Justice pour Akram, Justice pour Maouda, Justice pour Sabrina, Justice pour Wassim, Justice pour
toutes les victimes de racisme et de violences policières. Voilà, je terminerai en remerciant pour ce soir Anas et Martin à la technique. Un grand merci aussi à David pour l'introduction de début de soirée. Un très grand merci à tous les partenaires, les co-organisateurs de la soirée, c'est-à-dire le comité Maouda Justice et Vérité, le PAC, le groupe Montois de soutien aux sans-papiers, la JOC, le Village du Monde, l'ASBL Espace Sémaphore, le MOC Centre Hainaut, le Théâtre des Rues, la gauche anticapitaliste Mons, le local autogéré du Borinage, ainsi que Bruxelles Panther. Donc voilà, un grand merci à tout le monde et rendez-vous lundi et mardi devant le Palais de Justice de Mons.